Bienvenue sur la chaîne Bunker Sauvage, je m'appelle Céleste Grant. Est-ce que vous pouvez me faire un retour? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son fonctionne convenablement? Ça a l'air d'être bon pour l'instant. Alors, le chat, il est où? Oui, cool. Alors, salut. Oh là, on est déjà quasiment presque 200. Waouh. Vous êtes chaud. Bienvenue. Ah bah oui, j'ai le petit logo bonhomme là-haut. Merci. Merci à vous d'être présent. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon lundi. On est lundi. Je suis youtubeur, moi. Tous les jours, c'est lundi, quoi. Ou tous les jours, c'est dimanche, ça dépend. Donc, on est à la fois, comme d'habitude, en duplex sur... J'aime bien ce mot, duplex. Sur YouTube et Twitch. Lien de mon Twitch dans la description. Donc voilà, on a le chat ici. Salut Florent depuis Twitch. Salut Joe, Valipi, salut Sophie. Le son parfait, super. Salut Jill, bonsoir Carlotte. Salut Fafio, salut Ghost sur Bex. Salut Himalaya. Faut qu'on aille chercher Niaou au fait. Tiens. Salut Feigo, Feigeo, l'unique. Salut Céleste. Salut Domaine d'Alvaro. Salut Seb, comment tu vas? Yaké Bastien. Salut Fred, on est déjà 200, donc déjà, pensez à mettre un petit like. Nous, on commence l'apéro, il est 21h30, putain, il n'y a plus d'heure. En même temps, c'est levé à 11h aujourd'hui, donc. Comment vous allez, les gens? Pas sur TikTok ce soir, en triplex peut-être. Ouais, ma connexion, elle n'est pas suffisante pour balancer sur TikTok, mais je peux balancer en même temps sur YouTube et Twitch. Alors ce soir, live tout simple. On se prépare un camembert au four et en attendant qu'il cuise, on est en live. Si c'est pas le meilleur concept YouTube, live camembert. Et du coup, je suis avec Charlotte. Peut-être qu'elle peut venir dire bonjour, Charlotte. Et le chien, là, il a franchi la zone. Oui, mais c'est pas parce qu'elle a mal au dos qu'elle peut venir mettre des poils partout, la touille. Tiens, viens dire bonjour, la touille. Salut les petits amis, hey Benjamin, 16h35 au Québec, une bonne heure pour le show. Heureux de vous entendre et de vous revoir Valipi, ben merci beaucoup. Salut Lali. Bonsoir. Salut. Céleste et Charlotte. Alors bonsoir. Voici, ça va, t'as de la place? Voici Charlotte, alors je sais pas si tout le monde la connaît, mais... fille que j'ai rencontrée pendant mon aventure, le messager... sur Lourdes, à Lourdes. Donc je crois que c'est la première fois. Non, en fait, en vrai, c'est pas la première fois qu'elle est en live, Charlotte. On avait déjà fait un live un soir chez des amis. Sur les extraterrestres. Sur les ovnis extraterrestres. Live supprimé le lendemain. Car trop complotiste. C'était compliqué, ouais. Nous, on était à fond, mais y a que nous, quoi. Bonjour à vous deux. Alors en gros, t'as le chat dessus. Ouais. Qui a un logo rouge et qui parle de YouTube. Et là, qui parle depuis Twitch, ouais. Ah, c'est relié, trop bien. Ouais, je les ai reliés. Salut, Chacha. C'était mon surnom quand j'étais petite. Chacha. Coucou, Charlotte. Moi, c'est la première fois que je la vois. Et oui, c'est pour ça. Voilà. On est 300, donc c'est un peu la première fois que Charlotte est en live, en tout cas. C'est le 3C. Trop bien, j'adore. Les 3C, ouais. La règle des 3. Dans la survie, il y a la règle des 5C. On va voir si vous la connaissez, la règle des 5C, là, mes abonnés. Tu la connais, Charlotte, la règle des 5C? Oui, tu me l'avais dite. Vas-y. Alors, attends. Premier truc, c'est ne pas avoir froid. Donc, c'est quoi le premier C? Vas-y. Chaleur. Allez, couvrant. Couvrant, ok, d'accord. Ensuite, boire. Donc? Boisson. Contenant. Contenant. C'est laissé à la base. Oui, oui, mais c'est pas grave. Ensuite, nourriture, ça fait partie du contenant. T'es sûr que c'était 3C? Tu m'avais dit c'était les minutes. Non, les... Non, tu confonds, toi. C'était la règle des 3. Ah, c'est ça. C'est que tu pas pareil, écrit. C'est encore une règle des 3. Alors, 3. La 3C, les 5C, je la règle pas. Des 3, c'est 3 secondes d'inattention. Ouais. 3 secondes, 3 minutes.
Non, je sais plus ce que c'est ouais, quand tu te coupes, c'est 3 minutes, je sais plus quoi. Ouais, tu m'avais. Après, c'est 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger, et 3 mois sans voir de gens. Ok. Tu deviens starb. Mais les 5 C, vas-y. Couvrant, pour se couvrir. Contenant, pour porter, transporter. Coupant, les couteaux. Ouais. Les C pour la corde. Ouais. Et combustion, le feu, pour faire du feu. Et okay. Quand tu as ça dans ton sac, tu sais que... Et en vrai, tu peux rajouter un sixième C, c'est les communications. Un truc Toki, téléphone. Mm-hmm. Et il y en avait un autre qu'on avait vu, qu'on avait étudié avec des... Enfin, qu'on avait parlé. Les contusions, une sorte de trousse de soins pour tout ce qui est bobo, machin. Et là, tu es vraiment... Donc, c'est 7 C, du 7 coup. 7 C. C'est et c'est un ça. Peu un moyen mémo... Okay. Mémo technique. Ah, au fait, vous êtes là, on vous avait oublié. Alors... Bonsoir aux gens, corde coupée, contenant, combustion, il y en a qui ont suivi. Vous entendez bien, vous êtes sûr, parce qu'à chaque fois les lives... Est-ce que Charlotte, on entend bien? Charlotte, raconte-nous une blague belge. Mais je ne connais aucune blague. Ben, invente-en une, on se marre. Ben non, j'ai pas de blague belge. Si, ça va, il est pas mal le son. Bonjour Phoenix. Salut Phoenix. 8ème C, décapsuleur. Oui. Et ouais, du coup, dis donc, on est nombreux, hein, presque 350. Et alors, Charlotte nous a préparé un petit apéro. Moi, j'avais envie de bouffer des sushis, mais on n'a pas ce qu'il faut pour faire des sushis ici. Donc, elle a fait des sushis version celte. Oui. En gros pain de mie enroulé dans du... C'est quoi, c'est du saumon? Saumon, épinard. Vas-y, il y a de l'épinard là-dedans? Oui. Graines de sésame et une crème blanche. Ouais, mais toi, tu peux pas. Si tu allais sur ton tapis, toi. Hein? Du coup, ce soir, on a pour objectif de se manger un camembert. On s'est dit, en attendant qu'il cuise, on va parler avec les abonnés. Pourquoi je suis au ralenti? Tout le monde est au ralenti, Fafio. Qu'est-ce qu'une frite? C'est quoi la blague? Overfit, c'est pas mal, je la connaissais pas celle-là. Bonsoir numéro 9. Excellent. Ah ben salut, il y a Camille. Ah, coucou Camille. Oh le céleste, salut Norberto. Ça a l'air bon. Coucou à vous deux, bonsoir. Il va prendre du ventre de Céleste. Ah non, on se prépare pour les prochaines aventures, là, je me suis remis au sport à fond, là. 5C, 5C, Céleste, Charlotte, Camembert. Crise complotiste, pas mal. Bonsoir les aventuriers, Céleste, nous on fait de l'ASMR avec sa bouche. Jérôme, c'est des plumes de coq, c'est pas des plumes de, je sais plus ce que tu as dit. De faisan, il a dit. Je sais plus. Salut tous les deux, comment allez-vous? Eh bien, comment tu vas, Charlotte? Moi, je vais très bien, super bien. Ah bon, quel est le secret de ton bonheur? Toi. On coupe le live ici. Oh, il n'a pas duré longtemps. Rideau. Il n'y a plus de Genepi. Il en reste un tout petit fond. On peut aller, je vais faire un cul sec. Le mec, il propose un cul sec quand il n'y a aucun challenge. On propose un cul sec. T'en veux d'ailleurs, t'en as pas goûté toi? Non, j'ai pas goûté. Ah bah alors je te le laisse. J'ai pas goûté. Mais je le mettrai dans mon truc là quand j'aurai fini ça. Avec Charlotte, on aimerait avoir des oies, une de ces quatre. Et en attendant, à force qu'on dise à tout le monde qu'on veut des oies, les gens commencent à comprendre que Céleste et Charlotte veulent des oies. Ouais. Du coup, hier on nous a offert des œufs. Oui. Et aujourd'hui encore. Encore des œufs. Donc là, on a des œufs d'oie. Et alors, t'as dit un truc super intéressant tout à l'heure que je ne savais pas. Tu peux le répéter? Ben, en fait, apparemment, quand on lave l'œuf, il faut le consommer directement. Parce que si on le lave avant et qu'on ne le mange pas tout de suite, ben, ça contamine l'intérieur de l'œuf. Maintenant, moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? En attendant, je l'ai toujours fait comme ça aussi. Est-ce que vous le saviez, ça, que en gros, faut pas laver l'œuf, sinon ça risque de contaminer... La crotte peut te contaminer l'intérieur.
Ça va, Céleste, bonne compagnie. Charlotte, parle-nous de lui. Neverland. Mais vous savez déjà tout de lui. Bah, j'imagine qu'ils veulent un secret que toi seul connais. Oh, mais ça, c'est secret. Est-ce qu'il est bien membré, le boug? Hein? Ça, c'est il, ça me fait rire quand il tourne autour du pot, alors qu'en fait, ils veulent juste qu'on rentre dans le... C'est du domaine du privé. Faites-les éclore. Bonsoir, les amoureux, salut. Adsam. Bah ouais, mais on... Oui, mais là, c'est plus possible, ils ont déjà froid, donc en gros... Ouais, moi, d'abord, je vais le manger. Après, je vais aller aux toilettes, ça les ferait éclore. Oui, ça ouvre les pores de la coquille, en fait. Eulalie. Les pores, oui, voilà, c'est ce que je pensais aussi, oui. Ah, donc apparemment, ok. J'adore ta chemise, je veux la mienne. Célio, chemise de lin. Elle a 10 ans, celle-là. Elle est vieille, elle est super vieille, celle-là. Les animaux sont partis en éclaireur. Vous suivrez après. En tout cas, ta gueule est là. C'est quand il y a une non-réponse, genre... Ah, oui. Les oies, ça gueule beaucoup, gaffe. C'est vrai, moi, j'adore les oies. Toi aussi, bah, t'aimes bien les oies? Bah oui, j'aime bien les oies. C'est des meilleurs gardiens que les chiens, au final. Et apparemment, c'est des très bonnes tondeuses, parce que ça mange de l'herbe. Ouais, on apparemment, a appris ça, les oies mangent de l'herbe. Moi, je pensais que ça mangeait, amis, je sais pas, des graines ou je sais pas quoi. Et finalement, ça mange que de l'herbe. Ça mange de l'herbe, les oies, vous le saviez? Genre, vous le saviez. Mets un like si tu le savais. Non, on ne sait pas son après-shampoing. Mais ça devait être d'avant, mais... Si, il veut savoir mon après-shampoing. C'est Garnier. C'est Garnier. C'est Garnier que tout le monde a. C'est le truc premier prix. Sindel en forme. Oh oui, ah oui, je vais vous montrer ce qu'une abonnée m'a fait. Vous allez péter un câble. Ah, c'est trop beau. C'est magnifique. Comme quoi, j'ai des abonnés en or. Goûte le Genepi. Oui, je vais le goûter, mais je veux d'abord terminer ça. Le Rivesalt. Ah ouais, c'est pas mal ce qu'elle a fait, la peau, là. Qu'est-ce qu'il y a? Le prénom. Alors, Patricia. Patricia, voilà. Wesh, lalé. Wesh, les califs. En plus, il est super beau. Il est trop bien choisi. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, ce n'est pas un petit sous-vêtement de Chacha. Oh non. C'est un sous-vêtement de CC. Quel CC? C'est le... Combustion. Combustion contenant. J'ai une abonnée qui m'a envoyé ça. Elle a fait à la main. Elle a mis des magnifiques perles en bois. Brunes. Ça va aller trop bien avec le licol en cuir. C'est le truc anti-mouche, exactement. Ouais, vous avez compris, la frontale, exactement. String. Le truc de blabline. Vous imaginez à la main comme ça claque? Vous le voyez ou pas? Ça rend bien là en live ou pas? J'ai éteint mon truc. Attends, je peux... T'es connecté à ma box ici? Oui. Donc si je me connais. En fait, à force qu'on soit 10 connectés dessus, il y a. Ça fait trop. Non, ça a l'air d'être bon, ouais. Tu peux le mettre en combien le live? C'est-à-dire? En qualité? Ah. Maximum, 720? Ouais, il est super. Mais oui, il est super. Non, mais j'ai des abonnés en or et je vous remercie d'ailleurs. Je vous remercie, vous êtes trop gentils. Donc voilà. Donc c'est 720, pour eux. Ouais. Ok. Donc vraiment merci à Priscilla. Il faut que je lui écrive, je crois que je lui ai toujours pas écrit. Non, Patricia. Patricia, pourquoi j'ai dit Priscilla? Parce que t'as lu un commentaire de Priscilla, je pense. Patricia, pardon. C'est pas celui d'Archie. Il ressemble à celui... Non, attends, Archie, c'était rouge. Il était rouge. Ouais. C'est pas la frontale de rando. Et moi, j'attends toujours que tu viennes chercher le dessin que je t'ai fait. Bah, Eulalie, t'es trop dans le nord. Bah, quand je remonte, si tu veux, je passerai le chercher. C'est vrai que Eulalie, je crois qu'elle est vers chez Seb, en fait. Bah, tu habites où, Eulalie? Mets-le un peu. T'habites pas à Cherbourg, Eulalie? Non, je sais plus où t'habites. Je sais que c'est un endroit où il pleut. Ah, il y a Odette. Odette Michel, l'ancienne gardienne de Sindel. Ah, bah bonjour Sindel. Cela va te faire penser à Archie. Bah oui, tu as vu Odette, regarde. Pour Blablabline. Pour Elbe. Parce que son premier prénom, c'était Elbe. Elle est en pleine forme.
on peut vous spoiler un peu. Hein. La prochaine vidéo, c'est... C'est sur Blabline. C'est sur Babine. Et ça parle de quoi, la prochaine vidéo? On ose le dire. Je vois déjà la vignette. Nous deux, comme ça, avec un titre. Ah oui. Ah, tu vois ou pas? Ouais, tellement. Bah, alors, il faut... Elle est enceinte. Elle est enceinte. Ça va trop marcher. C'est quoi ton nouveau smartphone? Alors, c'est une très bonne question, l'ami, car il est là. Et j'en suis très content. En vrai, je ne l'ai pas encore exploité à 100%, donc je ne peux pas faire un retour immédiat. Mais il est tout petit, regarde, par rapport au smartphone classique. Je peux te le prendre, bah, deux secondes? Oui, bien sûr. Là, c'est les smartphones classiques. Moi, je voulais absolument un petit, parce que j'ai tendance à... Bah, t'as plus facile avec... C'est... J'en ai marre des choses trop grandes, tu comprends? J'avais quelque chose à compenser, j'avais envie d'un petit objet pour une fois. Et du coup, je suis parti sur un Galaxy S23. Merci Céleste, merci à toi Odette, j'espère que tu te portes bien. Vous allez bien ensemble Charlotte et Céleste? Merci. Ah oui. Et il y a l'autre aussi, le truc des Jones là. Moi, ça on dirait vraiment une crise d'épilepsie. Quoi. Tu sais, on dirait que t'es en train de parler puis d'un coup genre... Je sais pas, eux ils ont le truc les jeunes de le faire, moi je sais pas le faire. Charlotte, quelle est la chose qui pourrait t'énerver chez Céleste et la chose qui... te faire t'oublier? Qui pourrait me faire tout... Allez, réponds. Allez. Qu'est-ce qui pourrait t'énerver chez moi? M'énerver chez toi? Ouais. Ce que j'ai vécu dans mes anciennes relations. C'est-à-dire? Bah, tellement de choses. Mais non, franchement, qui pourrait m'énerver j'ai pas, chez j'ai toi? J'ai pas compris la réponse. Tellement de choses pourraient t'énerver chez moi? Bah, des choses que j'ai vécues avant, tu vois, mais vu qu'il y a rien du tout là-dedans... Non, mais là, c'est chez moi, c'est pas avant. Parce que t'as eu d'autres relations au moins? Non, franchement, je... Ah bon? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui pourrait m'énerver et qui pourrait me faire tout oublier. Moi, je pense que ce qui pourrait t'énerver chez moi, ça serait quand je te demande de filmer. Oh bah non. Un peu trop sur un ton... Tiens, filme ça, s'il te plaît. Oui, mais non. Tu vois, des fois, le s'il te plaît, il est pas trop là, d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est pas grave. Je sais. Mais moi, de mon point de vue, je pense que c'est ce qui pourrait... M'énerver. Ouais. Et tu me ferais un baiser, j'oublierai tout. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, y a rien qui me met en colère. Bonsoir, Guigui, depuis Twitch. Salut, Céleste, appelle Sindel pendant la chose. T'as compris ce qu'il dit? Oui. Il manquerait plus que ça, quoi. Au babine, quoi. Galaxy S23, waouh, mon téléphone avant celui que j'ai aujourd'hui et qui vient de mourir, RIP, il date de 2012, c'était un Galaxy S3 comme le temps passe. Bonsoir, je viens de regarder ta dernière vidéo, j'espère que tu l'as aimé, Créart. Bonsoir à vous deux. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passé par là, Guigui. Ben ouais, ben bienvenue. Prévenez Charlotte pour ce genre de questions, lol, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ta gars, elle cale sur... parce qu'elle nous voit là. Elle vient de caler là-dessus. Il y a le chien à côté, le chien de chat qui est là. Ça va, Charlotte, t'es bien installée là? Oui, je suis très bien. Attention qu'on... Non, je suis très bien. C'est vrai qu'on va bien ensemble. Cool, un anneau à venir. Qu'avons-nous donc? Elle vient de quelle ville de Belgique? Toi, si t'as pas envie de dire, tu dis pas. Si t'as envie de dire, tu dis. Je suis dans le nord. Je suis près du Luxembourg et de la France. Je suis vraiment dans le nord. Enfin, dans le sud, du coup. Dans le sud de la Belgique, quoi. Overfield qui dit... Est-ce que tu dis à tout à l'heure ou à tantôt? Je dis à tantôt. Parce que tantôt, c'est génial. Ça peut dire aussi bien à plus tard ou tantôt avant ou après. Ça prend plein de mots. Il y a plein d'expressions. Oui. Moi, je découvre la Belgique. Déjà, les amis, vous allez liker parce qu'on est presque 500. Donc déjà, merci à vous d'être là. Si vous venez d'arriver, ben, voilà, je vous présente Charlotte, ma copine. Ceux qui me suivent depuis longtemps, ils l'ont déjà vue dans quelques vidéos. Sinon, si vous la découvrez, ben, voilà, elle est cool. Elle est de Belgique. Et on s'est rencontrés pendant notre randonnée avec mon âne messager à Lourdes. Et du coup, là, elle est chez moi pour quelques jours. On se fait un apéro, on a un camembert au four et en attendant, on voulait lancer un live, voilà. Donc, si vous pouvez liker, ça serait gentil.
Et alors, voilà, ce que je voulais dire, c'était que je découvre les langages belges. Alors, il y a le fameux tantôt, mais il y a aussi les septante. Nonante. Nonante. Bien et souvent, quand je parle, tu me demandes de parler en français. Donc, moi, je dois réfléchir à comment traduire en français. C'est le « je sais », je crois, le plus bizarre pour moi, c'est quand tu dis « je sais ». Oui. En fait, en Belgique, vous savez, nous, en France, on dit... est-ce que tu peux me passer... Est-ce que tu peux, quand tu dis à quelqu'un, tu dis « est-ce que tu peux éteindre la lumière ? Est-ce que tu peux prendre mes clés ? Est-ce que tu peux ?» Du verbe « pouvoir ». Eux, quand c'est ce genre de demande, ils disent « est-ce que tu sais ?» Genre « est-ce que tu sais prendre mes clés ? Est-ce que tu sais ?» Et du coup, la première fois, quand même, je me rappelle, c'était en rando, tu me disais « est-ce que tu sais prendre ma gourde ?» Et moi, j'étais là « oui, oui, je sais, tu vois ». Et genre, mais il n'y avait pas d'action de ma part, c'est « oui, je sais », parce que du verbe « savoir », tu vois. « Oui, je sais prendre la gourde !» Et du coup, ça, je ne me suis toujours pas fait... je me suis toujours pas fait à ce truc-là. Et après, il y a... Tu sais, des fois, tu m'en sors... on peut mal. Ça peut mal. Ça peut mal. Il y a deux, trois trucs. Bah, du coup, en fait, le truc, c'est que maintenant, ça commence à me sembler normal. Maintenant, oui. Tu sais, j'y fais moins gaffe. Le une fois, le dit pas, Charlotte. Non, 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 moi, je dis pas ça. Ça vient de Bruxelles, je pense. D'ailleurs, bonjour. D'Arteville, c'est ça ? Ouais, d'Arteville. D'Arteville. Qui nous dit bonjour de Bruxelles une fois. Voilà. Belge une fois. Oui, s'il vous plaît, oui, c'est vrai que nous, on a ça aussi. Ah oui, le s'il vous plaît, mais ils l'ont dans le nord un peu ça. Oui, dans oui, le nord c'est de ce la France. Que je voyais en Normandie et tout, oui. Le s'il vous plaît pour dire s'il te plaît, en fait. S'il vous plaît. Si je te donne quelque chose, par exemple. Oui, mais ça, on l'a pas, nous. Oui, voilà. Nous, c'est genre... Attends, c'est quoi ? Tiens. C'est, ouais, c'est... Nous, c'est ça, c'est tiens. Tiens. Merci. Non, c'est quand tu demandes. Est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît ? Oui. Genre, est-ce que tu peux me servir du Rivesal, s'il te plaît ? Oui. Tu en veux ? Est-ce que tu sais me servir du Rivesal ? Oui, je sais. Oui, Santé à vous. Ça y est, on est plus de 500. Merci d'être là sur ce live camembert. Il y a quoi d'autre Oui, au Québec aussi, c'est clair. Au Québec aussi, ça serait bien qu'on y aille. Toi, tu y as déjà été, non ? Non, j'ai de la famille, mais côté Toronto, moi. Liège ! Il est beau votre petit drapeau là. D'ailleurs, on a c'est un café en ce moment. On est en train le matin, on est des gros buveurs de café et elle m'a ramené un café de Belgique et du chocolat les gars. Oh le chocolat par contre ça. Ils ont du chocolat belge, c'est pas des légendes ça. Chocolat, bière. Bonne bière. Bah oui, puis les meufs, elles sont pas mal en Belgique. Elles sont pas mal en Belgique. Elles sont pas névrosées comme en France. Elles sont pas féministes et tout ça quoi. Oh, ça dépend, je pense qu'il y en a certainement. Bah ouais, c'est les Françaises. Oui, mais en Belgique aussi. Ah, bonjour Francesco de Liège. Allez, il y a des Belges, c'est cool. Ouais, il y a pas mal de... Mais je te l'avais dit, j'ai beaucoup de gens du Nord, moi, dans mes trucs. Oui, parce que les gens, ils s'ennuient. Parce qu'il pleut là-bas, du coup, ils regardent. Ils ont besoin de soleil. Ils veulent voir de la montagne, quoi. Non, on va regarder le dernier Last of Us, le dernier épisode, on va le regarder après. Disons que le problème, c'est qu'on n'aime pas du tout la série, mais on est quand même tenté de regarder cette daube. Enfin, moi, je suis plus... Pardon, ouais. Non, vas-y. Je suis plus intransigeant. Je supporte pas le wokisme et toutes ces merdes américaines. Et Last of Us, j'ai vraiment du mal. Je subis le truc. Je regarde par curiosité parce que j'ai aimé le jeu vidéo. Mais Charlotte est plus accepte plus de choses là-dessus. Enfin, t'as l'air moins... Oui, parce que moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Last of Us, je le connaissais pas spécialement et... Moi, c'est juste que c'est les idéaux politiques que j'ai du mal derrière. Juste Élie, j'ai un peu du mal quand même, quoi, ça, il faut avouer. Bonjour de Vilvoorde, c'est une ville... Vilvoorde, c'est en Flandre, quoi. Sonia. Il y a beaucoup de Belges ce soir, en fait. Oui. Je préfère ta version française des derniers d'entre nous. Florent, merci. D'ailleurs, en parlant de ça, TikTok m'a censuré ma dernière vidéo. En fait, j'ai fait une vidéo sur les Dark Preppers. Et elle passe pas. Elle passe pas, pourtant c'est de l'humour, hein. C'est un sketch qu'on a fait, elle passe pas. Deux fois que j'essaye de l'uploader avec des remontages et tout, ils veulent pas la mettre juste parce qu'il y a une arbalète dedans, en mode peur des armes et tout. Et ça m'embête parce que j'ai fait d'autres trucs bien plus pires qui sont passés. Tu peux tenir des propos complotistes et fascistes, ça passe, mais juste filmer une arbalète, ça passe pas quoi.
Les coquilles sont peureuses. Il y en a, ils sont à la bourre dans le chat. Il faut avancer dans le live. Vous êtes peut-être, vous avez le curseur de la vidéo peut-être au milieu là. Bonjour de Guadeloupe, salut Andeis. Coucou. Ah mais Andeis, putain. Ah, coucou c'est... Sébastien, j'ai pas encore dit bonjour. Coucou. Charleroi, Andeis, c'est mon pote. Ah mais oui. Oui. Salut Andeis, putain, qu'est-ce que tu fous là-bas? Et je fais un coucou à Fanny qui savait pas rester, qui regardait en replay. Elle savait dit... pas. Elle savait pas. Hello you Neil Druckmann. Ta grosse herbalade ne passe pas, et c'est sur OnlyFans. Namur. Qu'est-ce qu'on se marre. Oui. D'ailleurs, on y a été, à Namur. D'ailleurs, c'est le premier mot doux que je lui ai dit. Je lui ai dit mon petit Namur. C'est vrai, en plus. Oui, oui. C'est même pas une blague. Non, c'est vrai. Le camembert va cramer. En vrai, il est prêt, il n'y a plus qu'à lancer. Voilà. Oh, merci, nous avons un don. Que penses-tu d'une annexion de la Belgique au Royaume de France comme au bon vieux temps? Moi, je suis pour. Elle peut annexer mon cœur. Bon, on va dire les Belges, je pense, se sentent plus proches de la France que... Que les Français de la Belgique? Oui. Non? Parce que vous êtes un plus grand pays, peut-être. Après, et... moi, étant du sud, je sais pas. Mais j'ai l'impression que les Français du nord, là-haut, ils aiment bien la Belgique. Ça leur évoque un truc, quoi. Oui. Ils ont des frites, là-bas. Céleste, grand pèlerin romantique. Oh oui. Il m'a fallu du temps avant de trouver une donzelle. Ah, nous avons le don. Onima. Merci, Onima. Pour acheter une rose à Charlotte. Non, pas une rose. Oui, si, allez, une rose. C'est bien une rose. Une rose. Ou une bière. Ouais, une bière. Voilà. À 50 km, c'est ça? Attends un peu, j'ai lu un truc là. Tu peux remonter avec la souris. Non, vu l'accent de Charlotte, je sais qu'on est du même coin à 50 km. C'est quoi? Phoenix. Vous trouvez qu'elle a un accent, Charlotte? Ouf. Oui. Bah Phoenix, tu es d'où? Fripouille qui dit dans le nord, nous sommes très proches des Nobel. Mais en fait, vous êtes tous du nord, j'ai l'impression, les gars. Enfin, quand je dis nord, au-dessus de Toulouse, c'est le nord. Languedoc, ouais, c'est ça. Poly et polyèdre, je suis d'accord avec toi. Il y a le foot. Un petit pot. Attendez, je regardais mon nouveau Samsung Galaxy parce que j'ai trop d'abonnés, donc maintenant j'ai de la thune, je m'achète des Samsung. Non, je plaisante, j'ai reçu des messages. Ah putain! Ah, l'autre il se met bien, le bâtard. C'est Andaïs qui est avec nous dans le chat. Oh. L'autre il est, regarde, Andaïs, mon pote, je t'en parlerai après. Regardez, ce soir il y a un abonné là pendant que je vous parle, il est là, il est, on sait pas où, ici Guadeloupe il a dit, non c'était quoi? Je sais pas, j'ai pas lu. L'autre, il est dans un hamac en train de mater notre truc, quoi. Oh non, pitié, me dites pas que j'ai un accent de Liège, quoi. C'est le pire de Belgique, hein. Faut qu'on se revoie, gros. Ah, il m'a répondu. Bonjour de Charleroi. Moi, je suis province du Luxembourg. En tout cas, ça fait plaisir ce soir. Vous savez, en fait, on a hésité. Je vous explique. Ça fait 3 jours que je dis à Charlotte que je veux faire un live. 3 jours que je me dis, ça serait cool qu'on fasse un live. Sauf que samedi, on a été voir des amis. Non, qu'est-ce qu'on a fait samedi? Oui, c'est ça. On a été. Oui, on a été chez des amis. Oui. Samedi, on a été voir des potes. Finalement, on n'a pas fait le live. Le lendemain, dimanche, on voulait aussi faire un live. Je sais pas quoi. On a aussi voir des amis. On a été voir d'autres gens. Et du coup, je dis bon, on lance le lundi. Je me suis dit, le problème, c'est que les gens travaillent. Mais après, on s'est dit, tant pis. Vous travaillez là ou vous n'avez pas de vie dans le chat? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tous youtubeurs? Je suis dans le centre depuis 2004. Mon papa de Mont-Saint-Breuil, dans le nord, et maman Picard. Je suis parti vivre en Creuse pour la qualité de vie bien meilleure. Ah, ben, je suis bien d'accord avec toi, Fripouille. C'est très bien la Creuse. J'ai de la famille de Creuse. Ouais. Je connais bien la Creuse. Hein. J'ai habité à Lourdes et je suis dans les Landes maintenant. Et alors, tu préfères quoi, Lourdes ou Landes? Moi, j'ai bien aimé Lourdes, mais pas pour y vivre. Et les Landes, tu connais les Landes un peu? Non, pas du tout. Je t'y amènerai voir la dune du Pila. Non, c'est sympa en plus. Oui, avec plaisir. Ah si, tu as un bon accent belge, Charlotte. Vous trouvez?
Ah, tu es de Rochefort, Phoenix. Ok, d'accord, je vois très bonsoir bien. Bonsoir de Bastogne. Nous avons qui là? Mais sérieux? Gandhi Aubry. Gandhi, bah bonsoir de Bastogne alors. Ça, c'est drôle. Je vis par procuration. Je connais bien Bastogne. Je vis par procuration à travers toi, Céleste, pour ça. Moi, je vis par procuration à travers vous. Palefrenière, Sabrina. C'est bien ça. Ça, c'est un beau métier, ouais. Ça. Et putain, j'allais dire oh là pareil. Là. Non, mais c'est vrai en plus. Moi, je trouve ça trop bien, palefrenier. J'adore. Je reviens en France fin avril. Je passerai parce que j'ai reçu un motif. Oui, j'ai bien l'accent belge, apparemment. Mais oui, hein, je suis d'accord. Hein, j'ai un bon accent belge, ouais. Bon, moi, je retrouve des potes grâce au live, quoi. Oui, Céleste, il m'a fait aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu me dis que je fais les ouïr au lieu de ah oui, 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 oui. Mais pour moi, c'était compliqué, quoi. Charlotte a fait les... Oui. Par exemple, nous, en France, on dit « il y a une ruine », et eux, ils disent « une ruine ». Une ruine. Ou « j'ai fui »,« j'ai fouillé ». Oui, « j'ai fouillé ». Puissance. Ou « couir ». Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Eux, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. Puissance, ouais, c'était puissance la que t'avais fait. Puissance. Bourgogne, ODHTV, oh putain, il y a ODHTV, trop cool. Chaîne spécialisée dans l'ufologie que je suis, cool. Merci à toi d'être passé ODH, c'est cool. Virton ou Libramont, il y en a qui se rapprochent pas mal hein, quand même. C'est bien. Dans la Manche, on dit à tantôt. Ouais, mais dans le Nord, vous parlez plus comme chez eux. Hein. Le Limbourg. Oui, la cuisine, exactement. Oui, c'est vrai que tu dis ça, c'est vrai que tu dis ça en plus, la cuisine. La cuisine. Salut oui. ODHTV. Allez vous abonner à ODHTV. 2 x 4 égale 8. 8. Salut depuis les pays Qatar, Carcassonne. Ah, mais cool. On va y aller bientôt à Carca. Oui. On va y aller parce que c'est trop beau. Je lui fais visiter l'Occitanie quand même. Ça, c'était une des meilleures randos, les pays Qatar. Je viens de terminer ta série sur Stevenson. Après avoir adoré Le Messager, je tombe sur vous direct. Merci pour toutes tes vidéos qui font rêver. Avec plaisir, Mr. Geo. Et alors, tu as préféré Stevenson ou Messager? Bertrie ou Mouillon? La crêpe au lait. Ah, c'est trop marrant. La crêpe au lait. J'adore. Tu es d'où, toi? Parce que tu te rapproches pas mal, Saint-Hubert, mais vous me sortez des noms qui sont tout proches de chez moi. C'est trop drôle. Maintenant, en Belgique, au bout d'un moment, il y a deux villes. Non. Il y a Bruxelles et... Oui, mais non, ça, c'est ce a, que vous pensez, deux... mais on a plein de petits cantons très et Namur. Et Namur. Mais il y a quelqu'un qui disait coucou depuis Mongolie, alors je sais pas si c'est vrai. Ah ouais. Et un autre qui dit depuis l'Afrique du Sud. En fait, vous me suivez de partout, les gars. Oui, on mange des chicons. Mais alors, le pire, c'est celui qui m'a marqué coucou depuis Creuse. Ça, c'est trop loin. C'est loin, ça, c'est le bout du monde, oh. Est-ce que tu sais manger le camembert? Oui, je sais. Je vais bientôt aller le mettre couir. Namur. Dans la cuisine. Venez dans la Nièvre, je vous montrerai des coins magnifiques. Je connais pas la Nièvre. Moi non plus, on dirait une insulte, Nièvre. C'est genre, putain, c'est il est un peu Nièvre, lui, non? Mais oui, on viendra dans la Nièvre. Mon fils habite Saint-Hubert. Ah oui, dans la province du Luxembourg, il y a plein de magnifiques balades à faire. Hein. Des super belles randos. Franchement, j'ai trop aimé le GR65. Je préfère le messager, je t'ai découvert avec la vidéo. Alexis Bruce. Ah. Et alors, tu préfères Alexis Bruce ou Céleste Grand? Florentville, Chigny. Coucou du fin fond de l'Ardèche. Ok. Putain, vous venez de partout, les gars, ça fait plaisir. Hein. Petit live, là. Petit live tranquille. Ma grand-mère venait de... Près de Florentville, Chigny, de la Gaume. La Gaume. Tu es de là alors, la crêpe au lait. Mons. Corrèze. Qu'est-ce à faire à Litch? Michel Gauss, tu es belge? Coucou depuis le Pas-de-Calais. Je viens de te découvrir grâce à Alicia Bienforêt. Ah bon? Parce qu'elle a parlé de moi? Ah oui, dans son dernier live peut-être? J'ai vu que dans son dernier live un moment, j'en veux bien... Ah non, c'est le guenépi. Je vais goûter, tu veux un peu avec moi? Attends, regarde, attends. T'as le... Le doseur?
T'as le dos aux heures. Bah, non, vas-y, je me suis tombé la bouteille tout seul. À toi l'honneur. Donc, petite bouteille des Alpes. Mamie. Quoi, mamie? Tu vois, c'est bon. Hein. Mamie. Mamie. Pourquoi tu dis mamie, je comprends pas. C'était à l'époque, les hommes, ils appelaient leur femme mamie. Ah oui, mamie. Mamie. Allons, mamie. Oh, bah la tienne. Santé, je vais te T'as le Rivgalt? Oui, je vais chercher. Non, je vais le faire, t'inquiète. Mm-mm. Non, non. Je suis plus près de que toi. Oui, mais après, mes abonnés, ils vont dire oui, tu t'es pris en 1850. Oui, c'est la femme de la place. On me l'a dit, ça, hein, dans le TikTok où tu ranges les placards. Machin féministe. Putain, je te jure, des fois, si tu pourrais faire clic droit, va te faire foutre. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, mais chacun voit sa vie comme il a envie de la voir. Chouchène, maison chez nous. Oh, fripouille, il se fait plaisir. C'est bon ce que t'as fait là-bas. Un camembert qui cuit, ça s'appelle un effondrement de calories. Salut les deux, salut Miguel. Oui, mais on a bien mangé ce midi, donc on peut se permettre ce soir de manger gras. Quel est ton film préféré, Céleste? Pendant longtemps, c'était Seigneur des Anneaux. Mais en fait, ouais, c'est Seigneur des Anneaux. Ouais, depuis l'Afrique du Sud. Depuis l'Afrique du Sud, coucou. Putain, trop cool. Ouh là là, ça va trop vite, là. Mais il y a Napoléon Dynamite, qui est très bien aussi, et il y a Gentleman Bronco. C'est deux films que j'apprécie particulièrement. Alors, Claire, oui, Babine et Taïga sont super contentes de se retrouver parce qu'en fait, elles sont vraiment meilleures amies. Elles sont hyper copines, quoi. C'est assez incroyable et improbable comme amitié, mais elles s'adorent, quoi. Elles sont trop heureuses quand elles se retrouvent. Elles jouent ensemble, elles courent ensemble. Elles jouent vraiment, quoi. C'est super beau. Coucou de Lituanie, mais depuis la Belgique. Il y a beaucoup de Belges, quand même, hein. De Saône-et-Loire. Coucou d'Algérie. Ah, attends, je vais bannir. Je plaisante, bien sûr. Alors, j'ai vu... si j'étais de Bertrie, c'est marrant, vous êtes en train de chercher. Il y a des pays, je ne sais même pas ce que c'est. Pyongyang, il s'est endormi sur le clavier ou quoi? Pyongyang. C'est Niaou, quand il miaule, ça fait Niaou. Ça. Pyongyang. Céleste préfère finalement le remake Seigneur. Qu'est-ce qu'il a marqué? Le Seigneur des Anus. C'est génial. Le Seigneur des Anus. Je suis du signe Vierge. Dolce Inc. Coucou de Chine. Non, mais il nous troll. Au bout d'un moment, arrêtez. Genre le monde Emma, entier. Emma, tu ne peux pas t'appeler. Tu ne peux pas t'appeler Emma si tu es de Chine. Le monde entier nous regarde ce soir. C'est... Coucou du commissariat d'Albi. Qu'est-ce que t'as fait, Overfit? Pyongyang, c'est en Corée du Nord. D'accord. Mais vous avez internet là-bas? Normandie en force. Nous avons deux chevaux et une ponette. Fripouille. Oui, trop bien. T'es, il va vite le chat là. Là, ça commence à s'emballer. On est presque 600, les amis. Je regarde qui m'écrit là. Bonsoir, Booba. Coucou de Provence. La Belgique est superbe et très accueillante, ça c'est vrai, Francis. Coucou de chez moi, on est tranquille. À la vôtre, les amis, nous on boit aussi. Hein. À la tienne. Il y en a pas de mars. Moi j'ai un mini-verre. Nous, les mini-verres. Vas-y, parle un peu, je vais regarder vite fait ce que ça donne. Ouais, le live. Je lis les. Oui, c'est ce qu'on s'est dit de faire un live un lundi soir, parce que souvent le lundi c'est début de semaine, c'est chiant. C'est horrible de m'écouter. Ah, je regardais la qualité, elle est bien. Aïe, aïe, aïe. Franchement, elle est bien la qualité du live. J'ai l'air d'un gogol, moi, sur mon téléphone, mais... Regarde, on est beau quand même sur la vignette. Bah oui, on est beau. Ils sont beaux, nos œufs doigts. Ils ont réagi comment quand on leur a montré les œufs doigts? Bah, on parlait de s'il fallait les laver ou pas. Bah, moi, je vais bientôt retourner en Belgique, oui. Donc, rando en Belgique, oui, sûrement, on en fera une ou deux, et puis, bon, après, on bougera. Jean-Marc, je suppose, de Vielsalm. Je connais bien Vielsalm.
Il y a des petits gris sur le live. Ils font de la bonne bière à Vielsalm. On a été à Chouf, si. Tu m'as montré... On a été à Chouf, ouais. Vous savez, en France, ouais. On a la Chouf, mais en fait, c'est un village chez eux. Oui, oui. Et c'est sympa. Chouf, c'est franchement sympa. C'est beau, c'est... on avait fait une belle rando, là. Mm. À la Vallée des Fées, pour ceux qui connaissent. Ouais, c'est sympa, Chouf. Notre Samski et notre poney dorment ensemble, et c'est pas de l'amitié, mais comme est-ce probable que notre Samski soit ami avec un chevreuil depuis un an. Oh, trop mignon. Envoie des photos, Fripouille, ça a l'air mignon ce que tu racontes. Bah en fait, Chloé, c'est que je me rends compte quand je m'écoute que j'entends vraiment mon accent belge. Quand est-ce que vous nous faites un mini-moï? Un mini-moï? Bah quand on l'aura décidé. Ça sera sûrement en rando. Sous le trap. Charlotte, je suis originaire de Houillet et habite à Ovelay, province de Namur. Bah pour le coup, les deux, là, je connais pas. Mais si, on n'avait pas été voir une église à Namur? Bah si, mais elle a été fermée. Mais c'était dans le centre-ville de Namur, on voulait aller. C'est là où il y avait le bonhomme qui courait avec des lumières, là? Oui. C'était joli, ça. Ouais, ouais, c'était beau, ouais. Moi, je suis un gars où j'étais attiré par le futur, quoi. Oh, ça brille! Il y avait un bonhomme géant qui courait... Les Belges, là, s'il y a des Belges dans le chat, ils doivent forcément voir de quoi je parle. Tu sais, je pense que ce truc-là, il a dû marquer beaucoup de gens. Oui, bien sûr, le truc qui marche, en fait, c'est juste des lumières qui bougent. Juste, alors que t'as l'impression que c'est vraiment un gars qui marche. En fait, vu de loin, c'est vraiment un monsieur qui marche en lumière. C'est dans la nuit, hein, c'est des lumières. Et quand tu t'approches, tu vois vraiment que c'est ridicule. C'est juste des lampes LED qui clignotent. Mais de loin, l'effet d'optique fonctionne pas mal. Non, Florent, moi, j'ai pas de chaîne YouTube et TikTok, c'est juste pour regarder les autres. Je fais rien sur mon TikTok. On essaie de vendre des photos, mais des nuits, c'est pas facile. Mais le chevreuil, dès qu'il nous entend, il s'enfuit. Oh. Ah, des caméras. J'ai un lien dans la description. Le mec, il rate aucune occasion, quoi. J'ai un lien dans la description pour les caméras. C'est quoi? Reolink? Oui. C'est des caméras pour animaux, justement, pour capturer. Tu les poses et en fait, ça déclenche quand il y a des bêtes qui passent devant et tout. Seb, le château de Bouillon, il est magnifique. Ils font un super beau festival médiéval, d'ailleurs, là-bas. Il y a une bonne question, là. Chocolatine ou pain au chocolat, de Michel Gousse? Ah ben, en Belgique, par chez moi, c'est pain au chocolat. Mais bon, moi, en gros, on s'en fout. Nous, en Belgique, on est très neutre, hein, donc chocolatine, pain au chocolat... Je prendrai certainement le pli de dire chocolatine ici. Sylvie, coucou de l'Isère, comment allez-vous? Nous allons très bien car nous sommes avec vous. Et d'ailleurs, on vous remercie, on vous invite. Tu peux montrer la Charlotte? On vous invite à liker. À mettre des likes. À vous mettre des likes. Ça nous soutient et ça nous encourage. Et puis ça aide notre camembert à cuire au panneau solaire là-bas. Alors, faut savoir que le village où ils font la chouf s'appelle A Chouf et pas Chouf, oui, tout seul. Oui, c'est vrai ça. En fait, c'est vrai ça. Il y a un peu de retard dans le chat, j'ai l'impression, parce que vous répondez, oui, à certaines questions que. Genre là, par exemple, on voit des gens qui réagissent sur Chouf. Là, au moment où on dit ça, il est 22h16. Ouais. Alors que Chouf, on l'a déjà parlé. Il y a un moment. Et la dune du Pilat, vous connaissez bien sûr Anne-Marie. Alors moi je connais, mais je sais pas si... Tu m'en as parlé, ah ouais, là, c'est le truc où après il y a... La plage. Oui. En fait c'est une dune énorme. Et puis il y a les forêts tout de suite en dessous, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. Mm. Ça vaut le coup la dune du Pilat. J'ai découvert ça assez. C'est la femelle du pain au chocolat. Moi j'ai lancé le live sur le téléphone et la télé pour les vues. Merci, merci. Thomas Pépito. Oui. ODH TV Archive, ça me fait trop plaisir qu'il soit là. ODH, je le suis depuis longtemps. Allez vous abonner à ODH, les amis. C'est un gars qui fait des sujets sur le paranormal et l'ufologie principalement. Oui, c'est pas loin de chez moi, mais je connais pas bien, à vrai dire. Donc je sais pas si c'est sympa, mais si tu le dis, sûrement. Alors nous avons une bonne question de Cabochard94 depuis Twitch, parce que je vous rappelle qu'on est à la fois ce soir en direct sur Twitch et sur YouTube. Lien de mon Twitch dans la description. Cabochard qui dit: Charlotte, tu connaissais Céleste avant la rencontre à Lourdes? La question vous est posée. Tu as le droit de pas répondre. J'ai le droit de pas répondre. Oui, mais après... non, je dis rien, tu fais ce que tu veux.
T'as pas envie de répondre? Bah, on s'est rencontrés à Lourdes. Bon, bah voilà, on s'est rencontrés à Lourdes. J'étais pas au courant, mais bon. On s'est rencontrés à Lourdes. Non, mais si, de toute façon, dans mes vidéos, c'est pas un secret. Je dis, j'ai rencontré une abonnée. Oui, bah, donc, bien sûr. Bah, donc, on s'était déjà écrit auparavant. Non, pas écrit. On s'était rencontrés à Lourdes, mais tu me suivais déjà. Oui, oui, je te suivais déjà, bien sûr. J'étais une abonnée. Ouais, c'est ça. Je suis toujours abonnée. Hein. C'est vrai? Ouais, oui. Je like tout, hein, moi. Je rate pas un truc. Hein. Salut, vous deux, le Tariqué, bière. Tariqué, bière, on en a bu hier du Tariqué, chez les amis. Ah bon? Ah, c'était ça? C'est où qu'on a bu du Tariqué? Ah non, c'était samedi, chez les autres amis. Ah. Trop d'amis au bout d'un moment. Coucou de Dordogne, c'est beau la Dordogne, faut que je t'amène, il y a plein de grottes préhistoriques là-bas. Oui, ma maman, elle a déjà été, elle a une amie qui habite là-bas. Ah ouais, là-bas. La Dordogne... Moi j'avais une nana de Tinder en Dordogne. Ah bon? Adrien, 2,49€, merci, à chouf. Petite question, je sais que c'est difficile pour lui, mais Seb pourra venir prochainement au bunker, Thomas. Oui, bien sûr. Bah, il avait prévu d'ailleurs, hein. Florent qui dit, as-tu vu ces grains de sel et aux dégustations de pâté? Je crois qu'elle les a pas vues, les dégustations de pâté. Non. Non, mais les grains de sel non plus, non. Mais c'est mort de rire. Je pense que, connaissant Charlotte, elle aimerait. C'était avant Bunker Sauvage. Ah, ok. Ma chaîne s'appelait Grains de sel. Ah oui, non, grains de sel, non, je connais pas. Non, tu m'as montré, mais pas tout. Mais grains de sel, je connaissais coucou pas. Coucou de Tchétchénie, mais plus ça va. Coucou d'Ukraine, bientôt, on va avoir. Ah, mais oui, mais c'est... moi, je viens d'Ukraine, moi, de toute façon. Salut Flaylox, Brantom, c'est quoi ça? Ça te parle? Pourquoi il y en a, ils marquent des mots hasardeux? Brantom, non, ça me dit rien. Bostonomie. Il y a de belles balades en Dordogne. Moi j'ai aimé les grottes préhistoriques là-bas. Ah oui, ça doit être bien. D'ailleurs, je me demande si c'est pas à Dordogne la grotte de Lascaux. Je sais pas. C'est dans le coin en tout cas. Oui, on va sûrement mettre un potager en place, oui. Gaïka Bushcraft. J'ai fait une faute de frappe pour Achouf. Ah, d'accord, Michel. Oui, parce que tu es de Belgique, si j'ai bien compris. Catherine qui dit impressionnante vos réserves. Honnêtement, Catherine, si vous saviez à quel point vous avez rien vu dans mes vidéos, en fait, ouais. Mais en fait, je sais pas pourquoi, c'est un sujet qui énerve. Même dans la vidéo, vous vous rendez compte, il y a... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est pour qu'on soit plus centré. Ah. Rapproche-toi un peu de par là. Même dans mes vidéos, il y a... Charlotte dit bien que je ne dévalise pas les commerces parce qu'à chaque fois on n'achète pas tout d'un coup. On va pas acheter 10 kilos de riz d'un coup. En fait, on prend un paquet. Et ben même quand elle explique, il y a quand même des gens qui viennent dire ouais, vous dévalisez les magasins en fait. Donc tu dis ouais, il y aura toujours un gogolito qui. C'est bon ce que t'as fait là. Je suis trop fan de ça. Je te jure, je pourrais manger ça à vie quoi. En fait, c'est. Non, c'était les triangles que j'avais fait de tout clop. Ça aussi, c'est pas mal. Oui, parce qu'en ce moment, avec Charlotte, on s'amuse à faire les recettes. Vous avez vu ce truc-là ou pas? Quand tu vas sur Instagram ou TikTok, dans les shorts, là, les réels ou les trucs, t'as toujours, à un moment donné, des gars qui font des recettes. Vous êtes forcément tombé dessus. Des gars qui font des recettes, tu sais, c'est souvent, ça a l'air gras. Ils, tu sais, ils prennent un œuf, ils mettent ça dans du pain de mie, machin. Tu sais, c'est des recettes qui ont l'air faciles un peu à faire et tout, tu vois. Mais en ce moment, on s'est lancé dans le délire de faire ça. Et ben là, ça, c'en est, ça. Ouais. Sushi TikTok. Avec du pain de mie. C'est du pain de mie et des trucs. Mais c'est bon, c'est toi qui l'as fait, c'est très bon. Mais il faut savoir qu'à la base, je suis pas du tout cuisinière, j'aime pas ça. Du tout. Ah bon, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le bunker sauvage. L'amour, sans doute. Laurent, j'ai vu ton message par rapport à... Ça défile super vite, je remonte juste deux secondes. Ouais, vas-y. Parce que j'ai vu un message de Laurent. Ah oui, comme quoi vous aviez le même accent que moi à Besançon. À Besançon, ouais. Dans le Doubs. Je connais bien Besançon, moi. Moi, je connais pas. Si, là-bas, la spécialité, c'est la montre. Ils ont une école d'horlogerie. Pourquoi je connais cette info de Besançon? Non, si, Besançon, c'est sympa. Pense quoi de ce bras, d'Isara?
Ah, ce bras, c'est trop bien. Non, mais c'est moi qui ai mal lu. Il a écrit ah. Isara. Ah, merde. Comment va Archie, Seb? Eh ben, elle va bien. Et j'avais pour projet d'aller la voir. Oui, c'est vrai, Emma, t'as raison. L'amour fait faire des trucs de dingue. Oui, j'ai traversé la France. Où est-ce que tu regardes ça? Non, c'est moi qui dis ça. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Parce que l'amour est universel. Mais après, il y a plein de gens, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, il y a plein de gens qui s'aiment, mais qui en fait ignorent qu'ils ne s'aiment pas en fait. En fait, il y a un problème dans notre société, c'est que les gens confondent l'amour et l'égoïsme. Et souvent, l'égoïsme se déguise en amour. Du coup, ils ont l'impression d'aimer, mais en fait, c'est juste par peur d'être seul ou par crainte de machin ou je sais pas quoi. Et du coup, en fait, c'est pas vraiment de l'amour. C'est un peu compliqué de trouver le vrai amour. Le juste, ouais. Je vous le souhaite en tout cas. Bah oui. Allez en Belgique! Vous venez en France. Ouais, c'est ça. Pour les Belges, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de Belges. 20 ans que je vis avec ma copine, elle me fait plus à manger. Bah, moi, j'ai vécu seule avant, je me faisais pas à manger, donc maintenant, c'est bon. T'es tranquille pour 20 ans, moi, je pourrais te faire à manger. Presque 600. Ouais, c'est vrai. C'est trop bien. Charlotte. Pouvez-vous montrer le chiffre? Non, pas le balai à côté. On voit le petit balai. Qu'on a acheté. Le petit balai acheté à Leclerc. Il faut aller mettre des likes. Ouh là là! Salut Charlotte, as-tu déjà fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Bah, j'ai fait une partie avec toi. Ah bon? Bah, on a fait des variantes, quoi. Voilà. On a fait une variante, mais non, j'ai jamais fait le véritable chemin de Compostelle. Mais il y a Alexis Bruce! Coucou Alexis Bruce. Coucou Alexis Bruce. Mais je l'avais pas vu Alexis, t'es là depuis quand? Mais depuis que t'as dit que... Skogen. Ah bah voilà Fred, tu vois. Mais en fait Alexis, j'ai juste vu son message, allez ciao, mais j'ai pas vu les autres. Parce qu'on lit tous les chats depuis tout à l'heure, hein. Ah ben Seb, c'est quand tu veux, hein. Tu viendras en Belgique, je te présenterai des copines. Ah c'est la merde, il a la tempête Alexis. Nous avons le poteau Alexis Bruce dans le chat, il a la tempête sous son tarp là. Ah ben courage à toi. Parce que nous aussi on l'a, mais on est dans du dur. Ça doit être compliqué là sous... Courage gros. Il y a eu quelques dons là, il faut qu'on dise merci. Voyageur Vagabond a donné 10 euros. Oui, et il y a aussi, merci beaucoup, Catherine. Si je me trompe pas. Catherine qui a donné des sous. Ah, voilà. Si, regarde, c'est là, voilà. J'attendais que ça se déclenche. Ouais. Pour vous aider à continuer votre périple. Merci beaucoup. D'ailleurs, il y a tout à l'heure une question qui nous disait. Tu reviens à chaque fois en bas. Oui, c'est fait. Tout à l'heure, quelqu'un a posé une question sur notre prochaine rando. Est-ce qu'on a des projets en cours? Oui, on a beaucoup de projets en cours. On en a deux gros. Mais ouais. Quand je vous dis gros, c'est gros, ouais. Gros. On en a un qu'on va faire cet été et un autre l'été prochain. Voilà. Celui de l'été prochain, il est vraiment fat. Ouais. Genre, vous n'êtes pas prêt. Et même moi, je ne suis pas prêt. Enfin, ça me paraît. On sera bientôt prêt. Et celui de cet été, il me semble j'ai souvent donné des indices, des infos. Voilà. Soriel qui me demande dans quelle région je suis. Le Lot, non, je suis pas loin de Toulouse, Soriel. Dans l'Occitanie, je ne suis pas très loin du Lot, ouais. Ça fait passer le temps, du coup, ce petit live. Cool. Mais merci, Alexis. C'est cool que tu sois là. Il est où, le Genepi? Ah bah, je l'ai terminé. On vient de le boire. T'es là depuis quand, Alexis, en fait? On vient de terminer le Genepi qu'on avait acheté ensemble, copain. Il faudra que je te présente Maskogen. Bah, on s'est surcroisés quelques fois, quoi. Parce que quand je partais, venait. En fait, vous êtes quand que croisés. Quand je suis venu, t'es parti. Et au final, on s'est un peu... Mais on va revenir à le voir dans sa yourte là. C'est une yourte, oui, en fait, non? C'est quoi la différence entre un tipi et une yourte au bout d'un moment, quoi? Allez, vas-y, réponds, Alexis. c'est quoi, toi? C'est plus une tente? Alexis, je crois que c'est un tipi, non? Un tipi en... Ouais, bien solide. Enfin, en espérant que ça va aller pour la tempête. Au final, c'est quasiment une yourte, son truc. Ah, ben c'est bien, Emma. Tu as mis le doigt dessus. Emma Iceberg.
Pourquoi pas un voyage à l'étranger en camping-car? Oh, ça arrivera. Oui, c'est prévu aussi dans... Ouais, bah, ça sera un pays nordique. Le... Ouais. Un pays nordique. Parce que nous, on est vikings. Putain, il me tarde, en fait. Oui. C'est la forme. La chartreuse, c'est meilleur? La chartreuse, c'est meilleur que... Alors, je connais pas... Alors, c'est un alcool. Je connais pas la chartreuse. Je connais que le Genépi, mais je crois qu'Alexis avait dit dans un de ses lives qu'il préférait la chartreuse aussi. La yourte a une armature et pas le tipi. Donc, ah ok, d'accord. Donc toi, c'est un tipi. Donc la yourte s'écroule pas sous la neige, c'est ça? Oh, arrête, le pauvre. Mais en fait, quand ça s'écroule, en soi, c'est pas grave. Ce qu'il faut pas, c'est que t'aies ton poêle d'allumé. Mais non, c'est qu'il y a le poêle d'allumé. Ouais. S'il y a le poêle d'allumé, il y a juste plus de tente, quoi. Ça crame. Mais après, Alexis, tu devrais foutre sur ta tente, tu sais, l'autre tente qui t'ont filé, là. Ah oui, là, qui l'a fait un autre abri. Ouais, ouais. Alors, mais en fait, je comprends Alexis, parce qu'en même temps, c'est pas mal, le second abri. Mm. Il faudrait que la marque t'en renvoie un autre, un deuxième. On en est où, là? On boit là? On boit là. On boit là, hein. Eh, c'est vraiment la boîte, là. Le Clacos, il fume dans le four. Non, mais en fait, on va vous dire la vérité. Le Clacos, il n'y a plus qu'à le mettre dans le four, mais il va cuire vite. Mais c'est vrai qu'on attend le cas. Ah, ça y est, on est 600. Trop bien. On fait un bisou? La chaîne Bunker Sauvage qui brille. Alors voilà, j'ai arrêté le survivalisme. Maintenant, on va faire des tutos cuisine, tutos make-up. Bonjour mes beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Tu connais Beauté en herbe? Non mais... C'est une de mes chaînes préférées, franchement. Ouais. Ouais. Bon courage Alexis. Mais viens au fait, Skogen. Alexis, ouais. Viens nous voir, un de ces quatre là. Mais que fait la censure? Un coucou de Marseille, j'ai une amie là-bas. Vous allez le strike pour mignonitude. Bon appétit. Ah, moi, je connais déjà mon dessert. Le chocolat belge. Un reblochon, mon gars. L'archipel vient te voir un jour, Overfit. C'est pas prévu. S'il veut passer, mais... Moi, le problème, c'est qu'il y a pas mal de chaînes de télé. Non, vous savez, ce qui m'écrit, les gens qui m'écrivent le plus, c'est des étudiants en journalisme. Genre, bonjour, je suis étudiant, je fais une thèse sur le survivalisme, on aimerait filmer et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant à... En fait, vu que mon... On en parlait encore cet après-midi. Mmh. Vu que mon mode de vie... Pardon, vas-y. Vu que mon mode de vie me semble bateau, vu que c'est mon mode de vie, je ne fais plus attention que c'est étrange. Et du coup, pour les autres gens extérieurs, c'est genre, ah, oh, il vit dans la forêt, le mec. En fait, je parlais de ça avec Charlotte, je lui disais, mais c'est bizarre, en fait, je... Parce que concrètement, je vis dans la forêt, moi, ici. Oui. Et vu que j'ai grandi là-dedans, ça me semble terriblement normal. Et c'est un truc que je ne fous pas en avant sur ma chaîne YouTube. On parlait de ça cet après-midi. Je disais, ouais, en fait, sur YouTube, il faudrait peut-être que je mette plus en avant le côté vie dans les bois. Là, je vous donne un exemple. On a dû couper quelques arbres. Donc, j'ai du bois, mais à n'en plus savoir qu'en faire. Et tu vois, en vrai, c'est... Comment dire, c'est vraiment un truc d'entretien, de boulot, de forêt, de trucs. Et c'est des trucs que je mets pas en avant parce que ça c'est comme si je le mettais pas dans YouTube. Alors qu'en fait, je pense que c'est précisément ce pourquoi les gens sont intéressés à me suivre sur YouTube pour le côté bunker, en tout cas, sans parler du côté rando. C'était pas très clair ce que je viens de dire moi-même, je me suis un peu embrouillé, mais bon. Alexis descend à Toulouse en avril, qui dit. C'est vrai? Ouais. Ouais, Skogun, si tu viens à Toulouse, j'ai des spots à te faire... Nous, on risque d'y aller cette semaine à Toulouse. D'ailleurs, s'il y a des Toulousains dans le chat, là, on sera à Toulouse là dans les jours qui viennent. Ah ouais, Toulouse, c'est bon. Hein. Les journalopes sont les ennemis des survivalistes, Antoine. Mais généralement, je refuse. Tu connais le Pequet Céleste? Non, Michel. Phoenix, pareil, j'ai même grandi dans une petite ferme pendant une période et donc dans une caravane et donc vécu dans une maison avec piscine de luxe. Et t'as préféré quoi du coup, Phoenix?
En réalité, voyageur, c'est pas normal d'être parqué dans des cages à poules. Tu vis plus en normal. humaine en réalité. Dame, dame, salut, dame, dame. Si tu as des peupliers, je prends pour mes cibles de l'ADH. J'ai pas de peupliers chez moi. Il y en a pas tant que ça dans ma région des peupliers. Hein. Moi, c'est plus. Enfin, il y en a au bord de l'eau, mais pas. Cuisine. Cuisine. Mais c'est cuisine, pas cuisine. Passez nous voir à Marseille, Isabelle. On vous invite à manger de la bouillabaisse et de l'aioli. Attends. Attends, les calanques, ça donne envie ce que tu dis en même temps. L'aïoli, non. Ben, en allant en Corse, on peut passer dire coucou à Marseille. Moi, ça me dirait Ah, bah, bien quand moi, même. j'ai une de mes meilleures amies là-bas, Ben, à moi Marseille. aussi, j'ai une pote. Une Donc. pèlerine avec qui j'avais marché. L'aïoli, non, on digère pas l'ail tous les deux, là. Ouais, j'ai fait une grosse overdose à À la fin du Biarritz. À pèlerinage, justement. Biarritz. C'était pas possible, quoi. Péquette, c'est de Liège. C'est quoi ça, tu connais? Ah, Péquette, le c'est... péquet! Oui, ben bien sûr, le péquet, c'est très très bon, le péquet. C'est quoi, le Je péquet? te ferai goûter, c'est un alcool, mais t'as tous les goûts, quoi. Tous les goûts que tu veux. Ok. Je te ferai goûter. Et nous, au carnaval, je sais pas si vous faites ça, mais en tout cas, nous, au carnaval, c'est qu'on fait des sous-marins. Donc en fait, on met le péquet, le petit péquet, dans la bière, et puis on affonne la bière. On a faune. Ah oui, parce que ça, c'est un verbe, hein. Rien que ça, non, on l'a pas, non. Affonner. Tu affonnes. Nous, à faune, c'est quand t'as J'avoue. plus de voix le matin. Ah C'est non, je suis à non, à faune, quoi. faune. Oui. À faune. Je sais, oui. Oui, le péquet, c'est trop bon. Quelqu'un qui disait une question intéressante, qui disait... On lit le chat hein, ce soir, hein, tout le chat, donc n'hésitez pas à... Est-ce que vous likez? Attendez, on va voir combien il y a de likes un peu là. Oups, oh putain, j'ai cliqué sur un truc. Attendez, bug, problème. Il y a combien de likes? Il y a... C'est où les likes? Bah là, il y en avait 453. 470! 54. Est-ce que vous pouvez liker les amis là? On veut voir les likes, mais moi aussi je like. Tu likes ta propre vidéo? Ouais. Moi je l'ai liké en tout cas. On veut voir les likes monter là en face de nous. Parce qu'on est combien là? Ça soutient le live, sachez-le. Attends, avant de savoir combien on est, je veux voir si ce truc monte en Oui, direct. il a monté, Ah oui, c'est bon. oui, il monte beaucoup. Merci, c'est gentil. Ensuite, je voulais remercier donc toutes les personnes qui ont fait des dons. Donc, je vous fais un petit récapitulatif. Nous avons Catherine, Voyageur, nous avons Adrien, nous avons Onima. Et les autres, ce sont des abonnements. Donc, merci beaucoup à vous du soutien. Et ça y est, on est de retour sur le chat. Je suis originaire des Ardennes, on est voisin Oui, tout Charlotte. à fait, Seb Randexplo. Nous sommes voisins. Très beau les Ardennes, hein, il y a des sacrées belles randos là-bas. Je suis de l'Aude et on est voisins, on se fait une bouffe avec Charlotte. J'adore l'Aude, Jérôme. Vous avez le Mont Bugarach. C'est là. La fontaine salée. D'accord. Ah. C'était dur ça. Elle était vraiment salée pour le coup. Ouf. Non, il y avait une question tout à l'heure qui disait par rapport au fait de vivre en autonomie. Quelqu'un qui disait comment tu gères ta connexion internet. Alors, réponse toute simple. J'ai une connexion ultra basique. En fait, vu qu'il n'y a pas de voisin autour de chez moi, et bien avec une connexion 512K de base, j'ai une meilleure connexion que quand j'étais en fibre à Toulouse. Parce qu'en fait, j'ai pas de voisin, j'ai personne qui pompe la ligne. Voilà. Après, la connexion, vous vous en doutez, hein, c'est un truc que je peux pas produire moi-même. Donc voilà, on a quand même un pied dans la société. Hein, même si on essaie d'être minimaliste et de se dégager un peu le maximum d'être hors système, il y a quand même des trucs. Voilà quoi. On a un ordi, on a une webcam, on a un smartphone. Puis on a des clopes de Belgique. Ah oui, poisson rouge, on me l'avait déjà dit que j'avais un accent de Liège. Ça veut dire quoi, poisson rouge? De Suisse, bah, je réponds à une personne. Pas de Liège, pardon, l'accent de Liège, non. Mais l'accent suisse, on me l'avait déjà dit, oui. On va bientôt ramener Sindel et le toutou. En rando, oui. Tout bientôt. Mais tous les jours, on va les promener, hein, de toute façon, toutes les deux. Parce que Taïga, elle a besoin d'aller balader et Sindel, bah, elle adore aller promener aussi, donc on en profite.
Nous avons un don de Lino qui a donné 2 euros mais qui n'a pas écrit de message. Merci Lino. Merci beaucoup. Bonsoir, est-ce qu'on n'irait pas mettre le camtar? Le camembert. Le camembert. Je vais faire ça. Parce que la place de la femme... C'est dans le camembert. La cuisine. Non, non. Santé. Elle était bon le Genepi ou pas? Ouais. Non, attends, t'inquiète. Tu oui, j'adore. La fausse modestie. C'est, c'est celui qu'on a acheté aujourd'hui, tu vois? Non. C'est celui de... Pourquoi on aime le muscat en ce moment? Je sais pas, je crois que c'est de moi ce truc. Alors tu qu'on sais, a des de bières belges. De quand on s'arrêtait, je buvais plutôt un vin moelleux. Et je sais pas, on a pris cette habitude d'alcoolique. À quand tes prochaines productions sur YouTube, Michel? Sur quelle autre plateforme peut-on découvrir ta musique? Alors attends, j'ai lu la seule question qui était pas pour moi. Salut, Domaine d'Alvaro. Comment il va, le Sébastien? Elle manque beaucoup Sindel, Sylvie. En vrai, je sais pas pourquoi. Vous... En fait, ouais, bon, vous dites ça parce que vous avez l'impression que je la filme pas, mais moi je la vois tous les jours, ma Sindel. C'est l'inverse, quoi. Moi je suis content quand, justement, des fois, elle fait sa petite vie tranquille. Là, en ce moment, elle est heureuse. Elle est pas du tout. En ce moment, elle est pas du tout à plaindre, hein, Sindel. Elle s'est fait plein d'amis. Et là, je parle des amis Anne, quoi. Tout le monde s'occupe d'elle. C'est une vraie star, hein. En fait, je vais vous le dire, mais ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo que je suis en train de monter, là. J'ai des abonnés qui ont découvert Babine dans un champ, parce que Babine, elle est dans un champ, avec un autre âne, et ils l'ont reconnu. Du coup, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, hey, « on te suit sur Internet, Céleste, et on a vu qu'il y avait Babine dans tel champ. » Du coup, on est rentré en contact et tout, et du coup, ben voilà, ça fait que je me suis fait des nouveaux amis. Sindel, elle est gâtée de partout. Enfin, Sindel, elle est... Elle est loin d'être malheureuse. Oula, ça va vite le chat. Excusez-moi, on lit le chat. Hein. Westphal Arakiri qui me dit, est-ce que tu es de Corse? Tu es Corse. Je ne suis pas Corse, j'ai de la famille Corse. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas né en Corse. Par contre, je connais très bien la Corse vu que j'y vais tous les ans depuis tout petit. J'ai de la famille en gros. Je connais bien la Corse. J'ai tendance à plus connaître la Corse sud que la Corse nord. Mais en grandissant, la Corse nord, je l'ai découvert aussi. Mais vu que c'est lié à de l'affect, j'ai un léger coup de cœur pour la Corse sud. Tout ce qui est vers Saône, Cargès. Ayaccio. C'était super bon tes trucs là. Salut à vous deux. À quand un film Céleste au cinéma? Bon, je crois que jamais, honnêtement. Jamais, mais vous avez... finalement, c'est comme des séries, mes trucs. Moi, je suis en train de calculer. Ça sera pas au cinéma, mais je me dis, Le Messager, c'est comme une série Netflix, en fait. Bah, sauf si quelqu'un décide de... D'en faire un livre? Bah, d'en faire un film. Attendez, je reviens, je vais ouvrir la fenêtre une fois. Il a fait chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait chaud chez nous, là. C'était n'importe quoi. Je sais pas chez vous, là, mais nous, c'est juste... j'étais torse-poil, en fait. Point. Allez, je continue de lire le chat. Donc, merci aux 600 personnes qui sont là. Vous êtes nombreux et nombreuses. Domaine d'Alvaro, je prépare un live ce mercredi, les amis. On prendra l'apéro ensemble pour mon anif. Oh, c'est l'anif d'Alvaro. D'Alvaro, de Sébastien, pardon. Je vais lui envoyer une bonne bière. On va t'envoyer une bonne bière. Céleste a une production de Morgan Priest sur les loups-garous. Alors, j'ai pas trop suivi dernièrement Morgan Priest, mais ouais, j'ai compris qu'il était dans le délire de loups-garous. Le puits envolé, il pleut. Bonsoir vous deux, salut François. Est-ce que tu peux nous parler de vos projets 2023? Oui et non. Oui, je peux vous en parler parce que c'est pas du secret, ça va être des randos. Et entre des randos, ben, ça sera des vidéos au bunker sauvage. Avec Charlotte, on va se lancer à fond sur la farine de châtaigne et le miel des abeilles. Oui, qu'on mettra en vente.
On va essayer de d'officialiser le fait qu'on vende notre farine et notre et nos miels. Et puis peut-être d'autres productions qu'on fera à la suite. Charlotte va faire de l'artisanat, par exemple. Et et elle aura un compte Insta sur lequel ça s'abonner. Elle est en train de préparer un petit camembert. Ouais, je la vois. Elle est en train de mettre des noisettes dans le camembert. Des noix de chez ma maman. Des noix belges ? Des noix de chez ma maman. Mmh, maman. Bunker Jésus, il n'y a plus de... Bonjour Geji, Patricia. Est-ce que Patricia, c'est toi qui as fait ça ? Est-ce que t'es la même Patricia qui a fait ça ? Et ton bistrot à Cajar, Antoine, il existe toujours, il a changé de nom, il s'appelle plus Ultreya, ça s'appelle La Souris Verte, on reste dans le domaine alchimique. Et c'est tenu par des gens qu'on a rencontrés avec Alice, donc la personne avec qui j'avais monté le bar Ultreya. On a longtemps hésité à savoir ce qu'on faisait d'Ultreya. Et finalement, on a rencontré des couples qui voulaient le reprendre, plusieurs. Et finalement, c'est eux qui ont pris la relève. En vrai, il faut que j'en fasse une vidéo, ça. Je vais le noter d'ailleurs. Je note dans mon nouveau Samsung Galaxy. Attendez, je note, c'est où le bloc-notes là ? Tac, idée vlog. Je note toutes mes idées, moi. Vidéo sur Ultreya Cajar. Pip, 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 pip. Valider, enregistrer. Je continue à lire vos commentaires. Bonsoir le domaine d'Alvaro, bon anif. Le mien est passé du même mois. Meilleur signe over. Emma Iceberg. T'as une touche avec Emma, Seb. C'est quel signe ? Je sais pas, c'était quel mois ? Mars ? C'est quoi ce bélier capricorne ? C'est ce qu'on décorne là, non ? Non, bélier c'est en avril. Mon papa il est bélier. Je sais pas, gémeaux, j'en sais rien. Poisson ? T'as poisson en janvier ? Ah non, février c'est poisson. Ah, peut-être poisson, je sais pas. Merci pour ta réponse, Michel. Pourquoi le dernier ? Il y en a, ils ont des conversations entre eux pendant le live. Hein. C'est Tinder, mon chat YouTube. Génial. Céleste, comment vont tes prises au bunker ? Ah oui, j'ai une prise qui a fondu. Elle est là, la prise qui a fondu. Ah ouais, je vais vous montrer ça. Très bonne remarque. Attendez, déjà, est-ce que Patricia a répondu ? Est-ce que c'est elle qui avait fait ça ? J'ai pas vu la réponse. Ça fait crack, c'est pas normal. Il y a un truc à craquer dans mon pantalon. Un soir, j'allais me coucher et ça sentait le cramé chez moi. Mais en fait, ça sentait pas le cramé, ça sentait le plastique fondu. Et je pensais que c'était ma poubelle. Du coup, j'étais là, putain, il y a un truc qui est moisi dans la poubelle. Alors j'ai vidé ma poubelle et tout, et l'odeur continuait. Et juste avant d'aller au lit, parce que tout est en bois chez moi, donc ça flambe facilement. Juste avant d'aller au lit, je me suis dit, c'est pas possible cette odeur. Donc j'ai touché mon mur et le mur était brûlant. Et lorsque j'ai descendu comme ça le long du mur, c'était de plus en plus chaud. Je suis arrivé à cette prise murale qu'on appelle, je crois qu'on appelle ça triphasé ou triforce ou non, juste prise force en fait. Triforce c'est dans Zelda. En fait, elle a littéralement fondu. Il y a la bakélite derrière qui est et c'est ça qui schlinguait, ça pue. Ça m'a carrément explosé. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si j'avais été au lit, ça aurait mis le feu. Et du coup, dans l'urgence, j'ai débranché ça. Donc, c'était en plus dans les périodes où il faisait froid là. Donc, j'étais au lit sans chauffage, mais bon, j'avais ma bouillotte. Donc, ça allait. Et quand je parle de ma bouillotte, je parle pas de Charlotte. Je parle de vraiment d'une bouillotte. Aussi, je parle de Charlotte en fait. Et du coup, j'ai réussi à trouver à Brico Dépôt la même. Et genre, on sait pas pourquoi, j'ai galéré à trouver ça. Genre, ça se fait plus, ça existe plus, je sais pas quoi. Donc voilà, il faut que je la remette dans le mur.
Donc actuellement, ma prise est quand même rebranchée, mais il n'y a plus ça. Alors je comprends pas, parce qu'apparemment, ça, ma prise marche quand même sans ça. Donc je sais pas trop à quoi ça sert, si c'est une sécurité ou si c'est ou juste esthétique, je sais pas trop. Mais en tout cas, bon, voilà. Mais faut que je le fasse. C'est la prise 32 ampères. Ah ouais, c'est 32 ampères ça? Et c'était mon, pour info, c'était mon radiateur qui était branché là-dessus. Salut CS, excuse-moi, je viens d'arriver. Je sais pas si on t'a déjà posé la question. C'en est où la van life? Eh ben, salut Joe. Ben rien, c'est toujours c'est d'actualité. Enfin, le van est toujours là. Et quand je conduis avec, ben, je fais des vidéos avec. Et quand je conduis pas, c'est au bunker. C'est le camembert qui t'a fait fondre. Un coup à faire brûler le bunker. Non mais oui, on en rigole, mais en fait, ça aurait pu être grave. Hein. Et non mais surtout que ça pue. En fait, j'ai de la chance, c'est que j'ai un super bon nez. Je vous jure, hein, mon nez, c'est pas la première fois qu'il me sauve la vie. Bonsoir tout le monde, à plus. Salut Sylvie. Détecteur de fumée chez toi, aborigène. Eh ben j'en ai pas chez moi. J'en ai trois dans le camping-car, mais j'en ai pas chez moi, quoi. S'il y a un Dark Reaper qui veut venir, il a juste, il peut me déloger comme on déloge un serpent dans un trou, quoi. T'en fumes un peu le terrier et il sort en courant, quoi. Greg, le chemin de Stevenson avec Archie, pour moi, en met tellement heureux de vivre ça grâce à toi. Alors juste un grand merci. Tu vas faire Stevenson? J'ai pas compris ta phrase, Greg. Avec Archie, c'est vrai? Sabine, bonsoir Céleste. Charlotte a fini le rangement du placard. Oui, on a fini. Maintenant, le placard est moitié vide, donc il demande plus qu'à être de nouveau rempli par ma folie. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, tu aurais pas le syndrome de Diogène ou un truc comme ça? C'est le syndrome des gens qui accumulent des tas de conneries. Je vais faire un petit retour. Je vais vous demander, ça donne quoi le son? Le son du live et la qualité, c'est toujours là, ça va? Ouais, ça a l'air d'être bon. J'ai connu un four en boulangerie qui a pris feu. Crypte. Ben moi, ça m'a un peu refroidi, je vous cache pas ça. De me dire, putain, une prise. Puis en plus, tu sais, on sait pas pourquoi cette prise-là, genre, depuis 10 ans, tout se passe bien. On sait pas pourquoi un soir, elle a décidé de prendre feu, en fait. Toi, il n'y avait pas de changement particulier. J'ai pas branché, j'ai pas fait un branchement différent. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour que d'un coup la prise prenne feu, en fait. Le son est impeccable, le son est ok, merci beaucoup. Allez, où ta moitié? Elle est en train de préparer un camembert, ma moitié là. C'est pas des conneries, hein, le titre du live. Hein. On attend vraiment que le camembert cuise. Le titre et la catégorie n'est pas mise à jour, mais le son est impeccable. Cabochard. Ah oui, parce que toi, tu es sur Twitch, et du coup, ça doit être le vieux. Ah oui, c'est pas bête ce que tu dis. Et comment je peux changer ça? C'est vrai que sur Twitch, ça doit pas du tout être les bons. Je peux changer un titre de live pendant le live en question? Attendez 2 secondes. J'ai mon. Ah oui, non, non, d'accord, sur Twitch, c'est pas du tout le bon truc. Eh, on est quand même nombreux sur Twitch. Attendez, parce qu'en fait, je vais tellement rarement sur Twitch que. Ça doit être dans Studio Vidéo. Je dois pouvoir régler ça. Oui, c'est vrai que c'était pas du tout le bon truc. Oh, je comprends que dalle. Gestionnaire du stream, ça doit être ça. C'est vrai que je comprends rien sur modifier les infos du stream. Si, ça a l'air, on a l'air de s'approcher du. Me le rappeler plus tard. Mais arrêtez d'être. Je déteste quand tu cliques sur le truc, ça te met 10 000 notifications. Le titre. Ah, voilà, c'est ça. On cuit un camembert. Il n'y a pas de titre, hein, putain. En plus, j'ai fait une faute d'orthographe.
Catégorie, c'est Just Chat. Just Chat. Non, c'est pas ça. Discussion, si c'est ça. Ok. Voilà, c'est bon. Les infos de Twitch ont été mises à jour. On veut voir Babine. Bah, Babine, elle est avec son copain, là. T'as le fire ? Quoi, non ? Allez, je continue de lire votre chat. On est 600, en tout cas, ça fait plaisir. Merci pour un lundi. Poisson rouge, il écrit ce qu'il veut. C'est quelqu'un connaît une appli IGN pour l'Espagne. Ah, c'est une bonne question, un verre de Bordeaux. D'ailleurs, c'est vrai que lorsque j'étais en Espagne... Oui, si, il y en a une. Une appli IGN en Espagne, tu as... Comment ça s'appelait ? Camino. Camino, c'est une appli pour le GR en Espagne. Ouais, Camino, t'as une appli pour l'Espagne, c'est celle que j'utilisais moi. Que ferais-tu en cas de crise économique violente ou de guerre mondiale, Jonathan? Je mangerais mes réserves. Est-ce que tu t'es pris des réflexions sur le fait que tu te planques pour fumer Sabrina? Non, c'est moi. Pas de réflexion, c'est juste que j'essaie de gérer mon image des réseaux. J'ai jamais trouvé ça très classe, quelqu'un qui fumait, en fait, malgré le fait qu'il veuille se donner un genre. Après, je précise, hein, je fume pas, moi. C'est juste de temps en temps, à l'apéro seulement. Philippot qui dit bonsoir de Belgique une fois. Bonsoir! Il y a Michel Lecaq avec nous ce soir, parce que je vois qu'il y a Laurent qui dit « Ok, bonne réussite alors. » J'utilise beaucoup Visorando comme appli, c'est cool. Visorando, c'est cool, alors après, est-ce que c'est à l'étranger? J'en sais rien. Camino, est-ce que c'est gratos? Oui, il me semble que ça l'est. Ah mais si, il est là, Michel, notre ami Corse. Comment ça va, Michel? Et Michel, comment ça va? Fait plaisir, Michel. C'est celui qui a fait toutes les musiques de rétroviseur. Enfin, toutes. La majeure partie des musiques. La majorité. Majeure partie, ça se dit, ça? Roman. Coucou Céleste, ça fait longtemps. Je trouve ça grave cool que ce que tu fais depuis des années, quelques années. Même si entre nous, les courts-métrages de la colo me manquent, j'aurais dû les télécharger. Roman. Salut Roman. Ouais, c'était cool les courts-métrages. La partie fiction sur ma chaîne, elle était un peu manquée aussi des fois. Mais du coup, j'allais dire du coup, c'est toujours sur ma chaîne, oui, il y a ma chaîne secondaire, c'est Céleste Grande, mais c'est vrai que j'y suis un peu moins quand même. Visorando, c'est qu'en France, Vert de Bordeaux répond. Visorando ? Ouais. On l'a en Belgique. La Belgique, c'est un peu la France quand même. On l'a en Belgique en tout cas, on a Visorando. Visorando ? Poisson rouge qui me dit est-ce que tu vises l'autonomie alimentaire? Mes châtaignes et le miel, ça peut aider en cas de coup dur. Oui, idéalement, l'autonomie pour moi, vraiment les bases de l'autonomie, c'est eau, chauffage. Enfin, pour moi, le chauffage, tu vois, si tu peux résister à un hiver, c'est déjà que tu es bien autonome. Eau, chauffage et bien sûr, idéalement, alimentation. Donc, il dit chauffage, dit énergie. Donc, eau, énergie et alimentation. Mais après, l'autonomie, vous savez, il y a tellement de... En gros, quand tu es... J'ai presque envie de dire, quand tu fais un boulot qui te ramène de l'argent et qu'avec cet argent, tu arrives à t'acheter à manger, on peut en soi parler d'autonomie, en fait, aussi. C'est une... Voilà, après, c'est sûr que tu es toujours... L'autonomie alimentaire, elle est compliquée à atteindre... Dans le sens où t'es quand même produire tout seul, c'est ça te bouffe tout ton temps. Tu fais rien d'autre quoi. Hein.
Tiens, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, mes fruits et légumes, je vais les chercher chez un maraîcher qui, lui, c'est son boulot. Il fait des marchés, il fait ça tout le temps. L'autre jour, on parlait, il n'a pas été en vacances, le gars, depuis des années, il n'a jamais pris de jour de repos, quoi. Et il se revendique pas autonomiste. C'est juste un mec qui plante des carottes et des fruits et des légumes. Et si tu veux, quand tu vois ça, tu te dis, putain, si même lui, qui est tout équipé, donc tracteur, les serres, l'expérience aussi, et qui voit qu'il fait que ça, et que, tu vois, tu te dis, ouais, l'autonomie, en fait, c'est un sens large, hein. Est-ce que tu fais toujours le potager? Alors, Olivia, vu que ces derniers temps, je suis pas mal parti en rando, précisément printemps-été, j'ai freiné le potager. Je fais toujours, mais genre, juste classique. Genre, patates et tomates, quoi, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Mais là, avec Charlotte, on aimerait peut-être s'y relancer un peu, ouais. Les poules, les légumes, ouais, ça prend beaucoup de temps, je connais. Le cas, c'est le nom le plus répandu en Corse. Ça fait plaisir qu'il soit là, Michel. Il faudrait qu'on aille le voir aussi, ce Pinsout. Lui, c'est un vrai Corse, hein, putain, il a limite jamais quitté l'île. Hein. Il habite dans un des plus beaux villages, en plus, Michel, putain, c'est mon village coup de cœur. Je fais vendeur de fruits et légumes sur les marchés, c'est du boulot, en vrai. Bah oui, c'est sûr, hein, Chris. Nous avons Bushcraft Nature qui nous a fait un don de 2 euros. Un petit don une fois de Liège. Bonne soirée. Il y a beaucoup de Belges ce soir. À Liège, vous dites une fois. Merci. Toi, t'as déjà entendu des Belges dire une fois? Oui. Mais vous le dites quand? Surtout de Bruxelles. Une fois, vous le dites quand? J'ai surtout l'impression que c'est les Flamands qui parlent français, qui le disent. Mais moi, je le dis pas. De mon côté, en tout cas, non. Merci, Bushcraft. Ce commentaire me fait rire. Coucou, c'est Manon. Babine.be. Ça pourrait être un site internet. Hein. Babine.be. On pourrait vendre notre miel et notre farine là-dessus. Ah bah, sur ce Babine. Serait génial. Babine.be, sur... c'est bon, on a trouvé notre site. Babine.be. Les plus beaux villages sont en Aveyron. Alors, il y a des... Moi, j'aurais tendance à dire le Lot, plutôt. Le Lot, il y a des beaux villages. En fait, le Lot, l'avantage, c'est qu'avec cette pierre un peu calcaire, le moindre village, c'est Game of Thrones, je trouve, là-bas. Après, le problème dans le Lot, c'est que les chasseurs, ils tirent sur les gens, quoi. Je rigole, mais c'est triste, en fait. Est-ce que Charlotte prévoit de rester vivre au bunker, car elle a l'air de s'y plaire? Ah oui, je m'y plais énormément, et oui, bien sûr, je prévois de rester vivre au bunker. Faites des dons pour que j'agrandisse la maison. tout bientôt. L'autonomie n'a aucun sens. Les anciens ne se sont regroupés en village. C'est pas pour rien. Johan Percy, je suis assez d'accord avec toi, en fait. L'autonomie, c'est un mot à la mode, mais en fait, en réalité, c'est juste être paysan ou être à la campagne, quoi. Nicolas, super les réserves, surtout celles que tu as dans la pièce en bas. Avant, tous nos anciens avaient des réserves alimentaires, et d'autant plus à la campagne. Bref, va me faire un camembert. Ouais, là, les réserves, bah, sont là, je les ai regroupées au même endroit. D'ailleurs, quelqu'un avait dit, oui, est-ce que c'est judicieux de faire des réserves au même endroit? Genre, si tu dois partir précipitamment ou s'il y a le feu dans ta maison, tu perds tout. Bah oui, c'est vrai, c'est le risque, en fait. C'est pour ça qu'il faut contrebalancer, je pense, avec des techniques, pour le coup, vraiment de survie. En gros, quand tu es prévoyant, tu fais des réserves et des stocks. Quand tu es survivaliste, tu apprends à te débrouiller avec la nature, en fait. Charlotte, est-ce que tu parles un peu flamand? Ja, ik spreek een beetje Nederlands. Ça m'excite. C'est vrai, tu parles flamand? Un beetje. Je l'ai appris à l'école, quoi. Donc oui, un peu. Je sais dire ikwonin. Ça veut dire quoi? Bah, j'habite à, mais je vais pas le dire. Ikwonin? Ikwonin. Bunker sauvage. Bunker sauvage. Tu peux faire des piquets de châtaignier, c'est aussi recherché que ceux en acacia. Oui. On va en faire. Ça c'est clair, hein, putain. En fait, il y a même besoin de rien faire en réalité. Ça se fait tout seul. Oui.
Expreek Netherlands en bête. Nous avons un don de 5 euros. Point d'interrogation. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de dons ce soir, c'est gentil. Expreek Netherlands en bête. Expreek Netherlands en bête. C'est flamand, quoi. Emma qui dit un survivaliste s'adapte à son environnement. Tu fais quoi, Soukanit? Tu fais quoi, Charlotte, comme artisanat? Je fais de la pyrogravure. Donc, c'est graver, c'est brûler le bois, pour ceux qui ne savent pas, c'est brûler le bois avec un outil qui s'appelle un pyrograveur. Voilà, et je fais des... Si, tu m'as fait ça aussi. Des dessins dessus, je fais... La poterie. La poterie, je fais des dessins, voilà. Mais je vais surtout me mettre surtout dans la pyrogravure. Ça, c'est trop beau, j'adore ce que tu as fait. C'est un petit... comment on appelle ça? Tasse? Enfin, ouais, pas tasse. Bah, c'est un petit récipient, quoi. Un petit pot. Il est trop beau. Regardez, elle a écrit en elfique et elle a fait des trucs en châtaigne et tout. C'est trop beau. Pas en châtaigne, chêne, pardon. Il y a Matt Wild. Alors attends, il y a Matt Wild. Bonsoir Céleste et ta compagne. Est-ce que tu as des poules qui se juxtaposent à des bergers allemands par tendance? Matt Wild, il me fait rire. Bah, on aimerait bien avoir des poules. Mais ce sera en projet futur, quoi. Matt Wild, regarde ce qu'on nous a donné. Attends, je les remonte pour ceux qui viennent d'arriver. On va voir s'ils ont suivi les autres, là, ceux qui sont déjà là. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fois. D'ailleurs, on en aurait un beau à montrer. Ah, ça, ce serait bien, ça. Ah oui? Ah oui, mais on l'a pas ici, oui. On l'a pas ici. Ah si, attends, moi j'ai une photo. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez devoir dire ce que c'est. Pour ceux, bah, peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais moi j'en revenais pas, quoi. La frite jaune, œuf d'oie, exactement. Ils nous ont oublié sur Twitch. Non, Fripou, on envoie toujours votre chat. Ah, est-ce qu'on va voir? Ouais, elle est bien, ouais, comme ce soir. Est-ce que vous voyez, d'après vous, c'est quoi ce que vous voyez en face de vous, là? C'est joli, hein, c'est surréaliste. Elle est belle, cette photo, là. Ouais, elle est belle, hein. Tu serais youtubeuse, tu pourrais la mettre sur YouTube. Je suis pas youtubeuse. Est-ce qu'il y en a qui vont trouver ça? Ce que Charlotte vient de vous montrer. Mais sinon, ce que je vous ai montré juste avant, c'était des œufs d'oie, en effet. Mais du coup, non, pour répondre à Matt Wild, j'avais des poules. Elles se sont fait croquer par un renard. Je n'ai plus de poules. J'aimerais en re-avoir. Et le gueux a gagné. Coucou, c'est Manon qui dit œuf d'autruche. Et le gueux qui dit émeu. C'est ça. Et moi aussi, il y a Matt Wild. Non, c'est qui dessus? C'est... œuf de rouge-gorge. Œuf de vache. Non, c'est un œuf d'émeu, mais oui, moi j'ai trouvé que ça ressemblait trop à un œuf de dragon, c'était fou. C'est... Non, mais vous me fatiguez dans votre chat. Il y en a un, il me dit qu'est-ce que tu penses de Niaou GPT, quoi. Il m'en faut pas plus, moi, c'est bon. On peut couper le live là. Non, attendez, il y a trop d'infos, 2 secondes. Moi, je vous ai montré des œufs d'oie parce que j'aimerais avoir des oies. Charlotte, ce que vous a montré, c'est un œuf d'émeu. Un émeu, c'est une sorte d'autruche d'Australie. Ouais. C'est les nouveaux amis qu'on s'est fait, qui sont eux aussi autonomie survivalistes et qui ont... Mais vous les verrez dans ma vidéo, en fait. Dans la prochaine vidéo qui sort, vous aurez toutes les réponses. Avec Babine, tout ça, vous allez comprendre. Mais c'est vrai qu'on dirait, des œufs de dragon. C'est un œuf vert, en fait. Hein. Ben, un peu bleu, ouais. Ah, bon. Toi, t'es daltonien, donc voilà. Mais il est vraiment un bleu, un peu... comment on appelle bleu... Bleu bite? Non, pas du tout. C'est Matt Wild, quand il est dans le chat, il me perturbe. Enfin, bref, Phoenix, tu as l'air de bien parler le flamand. Steph, Matt, salut Céleste, est-ce que liberté égale responsabilité individuelle et collective plus compréhension et acceptation des limites? Attends, la question trop compliquée. Attends, voyons voir, on va essayer d'y répondre. Oui. Est-ce que liberté, d'accord, égale responsabilité individuelle et collective, donc en gros tu respectes et la foi de la vie communautaire et la tienne, plus compréhension et acceptation des limites? Attention, exception des limites. Moi, je dirais non. Pourquoi? Bah, acceptation des limites, je vais dire, on a nos limites à nous, mais ça dépend de quelles limites il parle. Pour moi, liberté, c'est pas spécialement ça, quoi. C'est pas spécialement
responsabilité. Pour moi, liberté, c'est en fait, c'est tu peux vivre en collectivité, mais t'en extraire à tout moment. Tu peux sortir et te retrouver seul et individuel, ouais, sans que ça impacte la collectivité ou sans que la collectivité vienne nuire à cette individualité, et y revenir quand tu veux. Là, tu es libre. Je pense que c'est une bonne réponse, ça. Ouais, c'est bien. Démerde-toi avec ça, maintenant. Niaou GPT, il est où celui qui m'a écrit Niaou GPT? C'était plus haut. Hein. Je sais. Turquoise. Ah oui. Non, c'est pas turquoise, c'est encore un autre bleu. Il y en a, ils inventent des mots. Hein. Bleu jadéite, ça existe? Je ne l'ai jamais entendu, mais oui, peut-être. Je sais pas, on dirait des tribus. Le vert d'eau, c'est ça que je cherchais comme bleu. C'est un vert d'eau comme ça. C'est vraiment super beau. Salut Sabrina. Non, mais c'est pas grave, Phoenix, je suis d'accord, hein, moi aussi je suis une quiche en néerlandais, mais on se débrouille, on sait dire qu'on habite là et qu'on parle un petit peu. On l'emploie en pâtisserie, je crois, des œufs d'oie, oui, il me semble, oui. En effet, ouais. Oui. Merci beaucoup, oui, parce qu'ils sont très riches. J'ai déjà visité les grottes de Han et de Rochefort. Les grottes de Han. Les grottes de Han, oui, c'est beau. Il n'y a pas de nom, putain. Rochefort, j'ai jamais vu. Les grottes de Han, j'ai déjà été, mais quand j'étais petite. Il n'y a pas de nom, putain. C'est moine, Yaou. Grande de Han, quoi. Grotte de Han. Oh. Remonte, c'est moine, Yaou. C'est moine, Yaou. Oui, Orwellbeck. Oui, mais c'était quoi ta question, Yaou GPT? Chat GPT. Ah, chat GPT. Oh, j'ai compris, c'est bon. J'ai compris, je l'ai. J'en pense rien, j'ai pas encore testé. Intrigué, à voir. Le son est un peu faible. Ah bon, le son est faible d'après. D'après qui? Il est passé où? En fait, ça va tellement vite le chat. Ah non, oui, c'est là. Oui. Dimitri, le son est faible? Pas encore les grottes de Han Solo. Un œuf d'oie égale 3 œufs de poule. Ah oui, quand même. Ouais, mais on va se régaler. Hein. On en a plein. Je sais pas pourquoi les gens nous ont donné. Un pour nous deux, du coup. Après, ça se trouve, on peut essayer de. Tu crois que si on les met. Non? Si on les met dans le four, ils vont éclore ou pas? Non, mais tiens. On aura un poussin. Comment on appelle un bébé oie? Il sera cuit. Cuit. Céleste, il y avait un jeune Pierre dans le chat qui disait t'avoir eu comme animateur colo. As-tu vu son nom? Alors, machin. Machin. Okay. Oui, Pierre, je connais que j'ai eu en colo. Ouais, parce que pour ceux qui débarquent, là, j'ai été animateur de colo pendant un temps et j'ai eu des jeunes avec lesquels on faisait des courts-métrages. Du coup, ouais, Pierre faisait partie. On avait fait un film avec un zombie qui s'appelait. Merde, j'ai oublié le titre du film. Mais c'est pas grave, Pierre, il va le dire. Alfred et compagnie. C'est un bon film, ça. Le son est parfait. Est-ce que t'as peur que Signal se fasse manger par les prédateurs? Non, pas du tout, Antoine. Poisson rouge qui dit, tu as touché le gros lot, elle est trop bien, ta chérie. Bah oui. C'est qui envoie ça? C'est trop marrant. Je peux le refaire, mais je suis vraiment nulle, Eléa. Gros big up à toi. On est vraiment nuls, on sait pas faire les cœurs de il marche, Jones. Il marche bien comme ça, en fait, regarde. Ouais. Mais c'est juste voilà. Qu'on dirait qu'on fait un... une crise d'épilepsie. Oui, je sais. Gros bisous. Maëléa. Bien sûr qu'elle est bien. Elle est bien, Matchouin. En sachant que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais le mot est marrant. Oui, le mot est marrant. Moi, Thomas, moi dans la grotte de ma grand-mère, il y avait une grosse bête qui allait me bouffer. Quand j'étais petit, c'était la chaudière dans le sous-sol. Faut que t'ailles voir un psy, je pense, Thomas. Ça sent bon, là. Ça sent le camtar. Le camtar. Passionné de mécanique. Ah, ça sent le camtar. Étant belge. Charlotte. Plus soit-elle le BM. Désolé, polyèdre. C'est quoi le BM? Je sais pas.
Mais moi, enfin non, explique. Je sais pas du tout ce que c'est. Evelyne, un fond de musique fait fuir le renard. Je comprends plus rien à ce qu'il me raconte là. C'est parce qu'on parlait de poule, sans doute, je sais pas. Oui, c'est vrai en plus ce que tu dis, Evelyne. J'avais rencontré, pendant que je marchais avec Sindel, si, Ah si, ouais? j'avais rencontré un vieux, je suis passé à côté d'une maison, il avait genre Rire et Chanson à fond. Tu connais Rire et Chanson? Vous avez ça en Belgique? C'est la Enfin, ou radio. peut-être qu'on l'a, mais que je sais pas quoi Et faire. enfin, en effet, oui, la musique fait fuir le renard, oui. Le camembert avec deux M, c'est chez moi, vive la Normandie. C'est vrai que le camembert, on oublie que c'est à la base une région. De Normandie. On ira à Camembert un jour? On ira camembert. On ira dire bonjour à Monsieur Homer. Homer. Couvée claire. Les œufs doigts à 37,5 pendant environ 29 jours en les tournant tous les jours. Ah oh ouais, ça a l'air compliqué. Ben, on achètera directement les oies. Elles feront eux-mêmes le boulot pour faire éclore les petits oiseaux. Salut Céleste, salut Hitman. Je prépare ma résilience au Maroc, permaculture. Franchement, je te suis depuis un moment. Ton visage est beaucoup plus épanoui depuis que tu es avec ta chérie. Que Dieu vous préserve. Oh, Merci, merci. Hitman. J'aime bien le Maroc, on y reviendra un de ces quatre. Ça me fait rire parce que les chèvres montrent dans les arbres. Dans les quoi déjà, c'est quoi comme arbre? L'arganier. Voilà. Et ça me fait rire aussi parce que les babouches, c'est rigolo. Les oies en sont vers Rome. Alors j'imagine, mais je n'ai pas la référence mythologique. Mais j'ai pas, j'ai toujours aimé les oies. Moi, c'est lié à un souvenir d'enfance, les oies. Ok. Ça t'intéresse pas ce que je raconte? Si. Non, ton ok révélait un non immédiat, quoi. Ton ok disait ouais, c'est. Ok, je développerai pas alors, je développerai pas cette anecdote. Je lisais un autre truc en même temps, donc. Naraël, Fly, putain, il y a des prénoms là. Avez-vous une anecdote de survie à nous partager? Qu'on a vécu en pèlerinage, peut-être. L'orage, c'était pas mal quand même. On a vécu un orage? Oui. Sous les branches là? Ouais. Et vas-y, bah raconte alors parce que j'ai pas Bon, moi. je sais pas si c'est trop survie, quoi. C'est pas vraiment. Toi, t'en as plus, à mon avis, que moi, je Anecdote de pense. survie, moi ça s'est joué avec le froid ou le chaud souvent. Ouais, ou tu mens, ou t'as froid, ou ça se retourne un peu contre toi. Rosalie, je m'appelle Charlotte. Bonsoir Céleste et bonsoir la jolie copine. Je n'ai pas ton nom. Charlotte. J'ai 5 quoi, je les donne si vous voulez. Elles me gonflent, c'est un héritage de mes parents. 5, ça fait un peu beaucoup quand même, Pierre. Salut à toi, Wizouz, jeune entrepreneur. À quand un ou deux tutos comme au bon vieux temps? En parlant de tutos, c'est une très bonne question, Wizouz. Je redonne des cours. Je me suis relancé dans les cours un peu plus de. Comment dire? De. Merde. Cours de Oui, montage? j'allais dire de survie, mais c'est montage finalement. Cours de montage. Je sais pas pourquoi, j'ai eu des élèves qui se sont réveillés là récemment. Donc je donne des cours sur ordinateur avec le logiciel Adobe Premiere. Et depuis peu, donc j'ai ouvert une nouvelle catégorie de cours qui est donner des cours sur téléphone portable avec InShot, l'application. Et alors j'ai eu un premier élève sur une, exactement, premier élève sur InShot. Coucou à toi si tu nous regardes. Et en fait, la première heure de cours a été une calamité parce qu'en fait, j'essayais de filmer mon écran de portable pour qu'elle puisse voir, que je lui fasse le cours, simplement. Et à un moment donné, c'était tellement scandaleux le cours, je dis non, je peux pas laisser ce truc aussi pourri. Du coup, j'ai téléchargé ce qu'il fallait, des applis, machin. Donc en fait, maintenant, j'ai ce qu'il faut pour faire des vrais cours de qualité sur InShot. Donc voilà, je fais passer le passage si vous voulez apprendre le montage ou si vous avez des amis ou des enfants, des gens ou des copains éloignés qui veulent faire des cours de montage vidéo. Voilà, je me suis remis à fond là-dedans. J'ai monté mes prix, par contre, je vous préviens, attention, je suis un peu hors de prix, quoi. Mais par contre, je vous file toutes mes clés, quoi. Michel Leca qui veut lancer un débat. Parle-nous de l'adrénochrome. Je peux pas, Michel, je vais me faire strike. Bonne nuit, un verre de Bordeaux. Bonne nuit, Vert.
Du coup, toi, Samsung, Antoine, cool. Pas encore assez utilisé depuis longtemps pour faire un retour, mais pour l'instant, très bien. En tout cas, la qualité est belle. Charlotte, que penses-tu de l'ésotérisme? Spiritri Blacka. Moi, si on commence là-dedans, ça va être un sacré débat, quoi. Bah, l'ésotérisme, j'en ai fait quand j'étais petit. C'est comme le catéchisme. Bah, Non, il faudra qu'on en parle, oui. Mais Allez, tu en voulais tout dire quoi? cas, non, bah rien, en tout cas, allez attirer, intéresser par tout ce qui est spirituel et ésotérique au sens large, oui, en tout cas, elle est sensible à ces choses-là. Je sais que par exemple, le tarot, c'est un truc qui te parle. Oui, le tarot, les oracles. On m'a offert un super livre à Noël d'ailleurs sur l'ésotérisme. Je ne l'ai pas encore lu, mais je prendrai le temps de le lire. Les runes aussi, ça te parle. Les runes, oui, beaucoup. Bah D'ailleurs, oui, tu t'y bien connais sûr. bien même sur les runes. Je me débrouille Elle a pas mal. un petit côté druide. Moi, j'aurais tendance à avoir plus une forme d'alchimie, enfin d'ésotérisme un peu judéo-chrétien, que elle, ce serait plus du côté un peu druide celte, quoi, je Ouais, trouve. nature, ouais. Ouais. Parler aux animaux, aux plantes, aux arbres, aux fleurs. Sylvain, coucou Céleste. Et madame, pourrais-tu faire une vidéo EDC Everyday Carry? Oui, on pourrait, il y en a déjà sur ma chaîne, mais oui, on pourrait en refaire une. Poisson rouge qui dit faut éviter l'ésotérisme, j'y ai laissé des plumes. Bah, c'est comme tout, hein, ça, mec. Hein. Tu peux aller à McDonald's une fois de temps en temps, si tu y vas toutes les semaines, tu laisseras des plumes aussi. Ça dépend, il faut prendre du recul, il faut doser. C'est comme les sectes, en fait. Hein. Une secte à la base, souvent les sectes, ça part sur un bon sentiment, mais c'est juste après les religions même. Mais je pense que c'est tout en fait. Dès que ça part dans l'extrémisme, c'est Ouais. pas bon. Quand Sabine, quand Charlotte a fait le chemin cet été, avait-elle en quête une quête spirituelle particulière? Oui. C'est magnifique votre rencontre à Lourdes. Souviens-tu, Céleste, une personne t'avait donné une lettre. Sabine, bah oui, bien sûr, je l'ai toujours la lettre. Oui. Oui, bien sûr, j'avais une quête spirituelle, hein, que j'ai trouvée d'ailleurs. Je Faut. boirais bien de l'eau, moi, à un moment donné. Dans la En tech. tout cas, je pense que toutes les personnes qui souhaitent se lancer, bah, il faut se lancer, hein. C'est comme Céleste le dit. Il faut pas attendre et se dire j'attends le bon moment. Dès que vous l'avez et que l'univers vous ouvre ses portes, c'est parti, quoi. Il faut pas attendre. Faut Tu veux ça, foncer. moi? Bah, il faut prendre son sac à dos et puis c'est parti, quoi. Bien sûr que ça fait super peur, hein, mais il faut se lancer. Et une fois qu'on est sur le chemin, bah, tout se met en place, en fait. Oui, les elfes, Baba Bibou, évidemment. J'ai l'impression qu'il fuit notre Berkeley là, faudra vérifier le. Oui, je crois aussi. Oui, ce sont des vraies fourrures derrière. C'est ma maman qui nous les a offerts. Ah, D'ailleurs, pépé. coucou à elle si elle est là. Faudra vérifier le Berkeley là, je crois qu'il. Oui, oui, je pense aussi qu'il Tu vois ce fouille. que je veux dire? Il goûtait Il le. fouille. Ah, putain, il est lourd! Alors, Michel Leca, parle-nous du serpent de la Genèse, émancipateur et libérateur de l'homme du dieu mauvais Yahvé. D'ailleurs, toi, tu as vu un serpent durant le pèlerinage quand on était ensemble. On était justement devant Il nous est tombé. l'église L'église qui avait 1000 Saint-Pierre. ans. Ouais, l'église fêtait ses 1000 ans. Et quand Céleste est sortie de l'église, il y a un serpent qui est tombé d'un arbre. Est tombé du ciel. Ouais, c'était assez fou. Et puis quelques jours après, tu en trouvais une peau de serpent d'ailleurs. Ouais, et après je faisais mon malaise. Oh. Quitter son ancienne peau, tout ça. Oui, c'est vrai. Céleste, que penses-tu des franges belges? Le corbeau est le guide du loup. Aborigène. Toi, t'entends souvent des corbeaux.
Moi, j'entends souvent des corbeaux, oui. Pour moi, c'est vraiment le moment de transformation et ils sont très révélateurs, les corbeaux. J'aime beaucoup leurs cris. Ils sont beaux. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il se passe un truc un peu... Ouais. À chaque fois qu'on a un événement particulier, mais ça peut être d'un truc important ou pas, mais il y a toujours un corbeau qui crie au loin, quoi. Toujours, ouais. Et si tu fais pas gaffe, tu crois juste... Enfin, tu c'est juste un oiseau, quoi. On s'est croisés dans la ville de Lodève. Le Joyce qui dit « Petit raid pour un créateur que je suis depuis des années là. » Salut le Joss. Lodève, attends, c'est qui a écrit ça? Parce que je me rappelle de Lodève. Attends. Il y avait autre chose aussi, Lolo. Lolo Gaming. Salut, vous vous rappelez quand on s'est croisé dans la ville qui s'appelle Lodève avec votre âne? J'étais avec un ami, on était en face d'une épicerie, même acheté des cartes pour l'âne. Oui, je m'en souviens très bien, Lolo Gaming. Je me rappelle très bien, très 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 bien même. Le son est vraiment mauvais. Ah bon? Le son est mauvais? Qui c'est qui dit ça? C'est Vin Suisse. Déjà Céleste, Vincius. Il y a un problème. Déjà Céleste, il y a un problème. Est-ce que le son est mauvais, les gens, dans le chat? Le corbeau est le guide d'Odin. Oui, tout à fait d'accord. Hein. Le corbeau, c'est... Bah non, c'est l'oiseau. C'est un oiseau, le corbeau. Oui, tout à fait d'accord. Hein. Il est bon, le son. Bah non, c'est l'oiseau. C'est un oiseau. Je suis lourd, en fait. Alors, il faut savoir que les fourrures que l'on a achetées, c'est une dame qui en vit, en fait. Donc, elle vit de ses moutons. Et quand elle décide de les tuer, bah, au lieu de jeter les fourrures, comme la plupart le font, au lieu de les jeter, bah, elle les revend. Et c'est pour ça. Donc, on fait vivre une dame qui en vit, tout simplement. Donc c'est pas genre on achète des trucs sur Witch ou Schwitz ou je sais pas quoi là, au Schwitz. dis pas ça, on va se faire strike. Ça va, je suis un peu nulle, pardon. En tout cas, je vois... Switch. je vois depuis tout à l'heure que vous êtes à fond dans le chat, ça fait plaisir. Déjà, je vois qu'on est toujours 600 à peu près, donc merci. Pensez à mettre un petit like, ça soutient, ça aide. Et je vois que vous êtes à fond là sur... La science hermétique, le serpent égale la vouivre, oui. Le corbeau guide le loup, j'ai un bon public en fait. Céleste a fait le malaise après le serpent, Sabine, c'est pas vrai, un hasard. Sabine, ouais. Ne pas comprendre le corbeau et la corneille. C'est pas du tout la même chose, hein. Pas du tout. Bonsoir, Mister Koto Desclacos. Le son est très bon, Fripouille, merci. Okay. Le Dogman rôde dans l'ombre du bunker sauvage. Tu fais toujours des montages, Seb 4.0, oui. Et il donne des cours aussi, c'est ce qu'il a dit avant. Je donne des cours, oui, des cours. Des cours. Vous avez mon email dans la description. Le merci son, c'est très bon. Descends, parce qu'on est en retard là dans le chat. Oui, oui, oui. Parce que là, il répondait, descends à fond. Ah oui, ouf. Merci. Ouais. Michel, dans la 28e maçonnique, le serpent de Moïse, serpent d'Aïran, fait référence à la crucifixion du Christ. Il renvoie directement au serpent de la Genèse. Bah, je me rapprocherai du micro, alors. C'est vrai que moi, j'ai tendance à parler fort parce que j'ai pris l'habitude. L'habitude. Micro offert par une abonnée, d'ailleurs, qu'on remercie, dit merci. Merci, l'abonné. Je le mets légèrement ici. C'est un peu ostentatoire devant son visage. Oh, on rigole. Tu mets quoi comme crème pour les hémorroïdes? Putain, mais j'en mets pas, mec. Ah, mais attends, j'en ai. Je les démonte, mes hémorroïdes. Voilà ma solution, quoi. Cicaderme. Je mets la même crème que pour Sindel. C'est un véritable fléau, les hémorroïdes. Oui, Sabine, t'as raison, les plumes des oiseaux qui sont aussi des messages, ce sont les anges qui nous donnent un message à ce moment, enfin au moment bon, présent. Oh, c'est des plumes, hein. si vous saviez l'odeur, tu le sens, le camembert qui s'excite oui, un peu. Ben oui, je vois le bon appétit, bon appétit bien sûr de Olivia, je vais aller surveiller parce que je pense qu'il est peut-être en train de cramer.
est pas mal ce petit live, il est bien en place, on dirait qu'on fait des lives toute notre vie. C'est la première fois qu'elle est en live, la chat, là. Oui, dans les transports urbains, un samedi, c'est genre impossible que tu m'aies vue. C'était peut-être une fille qui me ressemble, mais... De quoi vous parlez? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis en train de lire les trucs et je réponds en même temps. Si, dans le métro, ligne B. Je voyage pas en transport en commun. Est-ce que la mère Charlotte a élevé des chèvres en Belgique? Ma maman? Non, non, pas du tout. Elle aimerait bien, mais non. Coucou à vous deux, salut Xav, Vier. Toujours fan de ta chaîne Céleste depuis le début, ne changez rien et continue de nous faire vivre tes aventures. Ça marche, merci Xav, merci. Quel est votre budget pour partir? Notre sac à dos, Babine, y a pas de budget, ouais. Et le chien. Juste les croquettes pour Taïga, et voilà. En trois lettres, RSA. Quoi qu'elles n'ont pas le RSA en Belgique. Non, on n'a pas ça, nous. Le camembert... Quoi? Le camembert va bientôt représenter... Sébastien, va bientôt représenter... Oui, je pense que t'as raison, Seb. Je peux aller le surveiller. C'est vrai que j'aurais pu mouler. On peut faire un imprimé dans le camembert du... Je ne sais pas si tu as lu ma question céleste, mais est-ce que tu vas refaire des urbex? On l'avait pas lu, non. De Lord Minos. En fait, on se pose la question avec Charlotte. Vous savez, j'ai une chaîne... En gros, pour expliquer très succinctement, moi, là-bas, j'avais tout sur une seule chaîne, qui était donc Super Infini. Et après, quand ma chaîne s'est appelée Bunker Sauvage, j'ai plutôt axé tout ce qui était randonnée, nature, sur Bunker. Et du coup, tous mes autres contenus, la musique, les urbex, les courts-métrages, je les ai mis sur des chaînes séparées. Et en fait, je suis tellement tout le temps sur Bunker Sauvage et jamais sur les autres chaînes qu'on s'est dit récemment que peut-être j'avais envie de mettre les urbex, donc là, c'est surtout la série qui s'appelle Evidence, les remettre sur Bunker Sauvage. Ce qui, d'un, permettrait de supprimer une chaîne YouTube, la chaîne Evidence, et de deux, me remotiverait à faire de l'urbex. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Ce qui fait que j'ai freiné dans l'urbex, c'est que si par exemple demain je vais tourner dans un château abandonné une vidéo d'urbex, ça va me faire chier de devoir passer des heures sur le montage pour au final la mettre sur une chaîne qui va faire 3 vues, quoi. Alors que je sais que sur la chaîne Bunker Sauvage, elle sera vue, on va créer de la conversation autour, du débat, enfin, qu'il y aura plus de réactions, quoi, d'interactions. Et c'est vrai que c'est compliqué quand tu as plusieurs chaînes YouTube de t'investir dans un projet pour au final pas le mettre sur la chaîne où tu crèves d'envie de la mettre, quoi. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que je la mette, ouais. Ouais, on réfléchit à ça un peu. Je dis « on » parce que maintenant, Charlotte m'aide quand même beaucoup sur tout ça, la gestion des chaînes, quoi. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait, là, Florent, qui disait « urbex sur TikTok, peut-être ». Alors non, l'urbex serait sur Bunker Sauvage dans une catégorie évidence, parce qu'en fait, ce qui me semble logique, c'est que vu que dans mes évidences, je parlais déjà de choses un peu ésotériques, du monde invisible... d'un côté paranormal et slash spirituel, en fait, Evidence aurait sa place sur Bunker Sauvage. D'une certaine manière, on peut trouver son public, que par exemple, les sketchs, les sbras, les blagues un peu potaches, ça, pour le coup, sur Bunker Sauvage, je sais que ça ne passerait pas. Par contre, pour le coup, sur TikTok, ça passerait. Je suis quasiment sûr que sur TikTok, mes sbras, ils passeraient. En fait, on avait 15 ans d'avance à l'époque où on faisait les sbras. Actuellement, quand tu regardes les sbras, les TikTok, pardon, c'est des sbras, quoi. Merci, Méli Mélo. Qu'est-ce qu'il dit, Méli Mélé? Qu'elle aime ma robe, ou qui aime ma robe? On a tombé le muscat, hein, putain. Il tape le muscat. Il n'y a pas de repas ce soir, un muscat et camembert, quoi. Si, mais... Faut que je bouffe ça, moi. Bonjour le Trixis27, bonjour Céleste, j'espère que tu vas bien, oui, merci pour ce journal, pourrais-tu nous faire une petite série sur la culture et la terre? Comment utiliser la terre pour produire les aliments? Bah, on fera ça quand on prévoira un jardin, on va certainement faire cette année si on a le temps, parce que vu qu'on a déjà pas mal de projets en place, on va voir si on a le temps de faire le jardin.
Mais sinon, oui, on fera un... Enfin, tu feras, du coup. On là-dessus. Fera, bébé. On fera. Mais après... comment dire, il y a déjà une série de vidéos qui s'appelle Jardin de survie. Oui, et puis vous pouvez aller voir Domaine d'Alvaro aussi. Il donne plein de super bons trucs pour voir justement comment c'est son jardin, etc. Hein, c'est top. Hein. Allez plutôt voir Sébastien. Ouais. Ouais, carrément. Il est dans le chat. Lui, il vous donnera plein de bons trucs pour faire votre jardin et pour pouvoir faire les aliments soi-même et en mode survie, quoi. D'ailleurs, attends, je sais pas si Sébastien, je l'avais mis en modo, je vais le mettre en modo. Comme ça, il pourra faire sa pub sur mes lives. Il est où, Sébastien ? Vas-y, si tu peux continuer à... Oui, je lis. Oups, j'ai appuyé sur... Ah, non, qu'est-ce que t'as fait ? Non, je sais pas du c'était tout. C'était quoi, ça ? Genre, aucune idée. Comment vont tes abeilles ? Aïe. Ouais, j'ose pas trop en parler de mes abeilles. On en reparlera incessamment sous peu, des abeilles. Parce qu'on a eu un petit souci dans les ruches, là. J'ai fait une expérience cet hiver. J'aurais peut-être pas dû... Alors, monsieur Homer, par rapport à ta question, c'est est-ce que la Belgique est aussi merdique que la France actuellement ? Est-ce que les Belges ont compris majoritairement la supercherie de la pandémie ? En fait, en Belgique, enfin, moi, je suis pas trop sur tout ce qui est actualité, etc. Donc, en Belgique, je pense qu'on a moins souffert de tout ça qu'en France, tout simplement. Donc, ils ont un roi en Belgique, déjà, pour commencer. C'est vrai. Il est où, Sébastien ? Il est parti, là ? Je sais pas, il nous a pas dit à tantôt, mais peut-être qu'on l'a pas vu. Michel Leca, je vais ajouter comme modérateur. Déjà, je vais ajouter. C'est bien possible que les frelons asiatiques soient passés par là, ou tout simplement, elles ont essaimé, on sait pas trop. On va aller resurveiller tout ça et remettre tout ça en route pour justement mettre en place notre miel. Bonne soirée, Michel. Le cas. Salut Mickaël. Et oui, en effet, je me régale avec Céleste. Je vois plus Seb, j'arrive pas à le mettre en modo, il est pas là dans mon chat là. Il s'est barré Alvaro. Non, il est là. Les Fifi et moi vous écoutent. Alors Céleste essaye de trouver un truc pour que tu puisses faire ta publicité, Sébastien. Voilà, et non. Gros bisous à Rafka et Roots. Et Roots, il est modérateur. Je t'ai mis modérateur, Seb. Bonsoir, Sandrine. Je pense qu'il y a certains qui ont envie que tu joues un peu de la guitare. C'est la deuxième ou troisième fois que je lis... C'est parce qu'elle est en évidence derrière. Évidence. J'ai ramené la mienne d'ailleurs. Je sais même pas si elle... La mienne est là aussi. Je sais même pas si elle est accordée, ma gratte. C'est super que vous suivez Sébastien, continuez comme ça. Merci Kuro Baro. Salut Dylan.
a du monde sur Twitch, ils disent. Bah oui, ça a l'air, ouais, d'avoir du monde sur Twitch. Alors, on va voir sur Twitch. Comment je peux voir sur Twitch, en final? Il faut aller sur Twitch live. Moi, je suis pas très douée là-dessus. T'as vu déjà quand je voulais mettre le ouais. portable dans ma voiture. L'USB... Sur Twitch, généralement, il y a une meilleure qualité. Ouais, j'avoue. Et de son et d'image. Ah oui, putain, il y a du monde sur Twitch. Qu'est-ce qui se passe, là? 49 personnes. Ah bah bonjour. D'habitude, on est 3. Coucou sur Twitch. C'est vrai qu'on est nombreux sur Twitch. Coucou, les gens de Twitch. On jouera bientôt à un jeu vidéo. Ouais, c'est clair. Resident Evil 4 Remake, on vous spoil direct. Ah oui, oui, oui. On a fait tous les RE, là. Ouais. Presque. On est un peu des geeks. Hein. On est un peu des geeks, ouais. Mais on l'assume. Ah, mais c'est un raid. C'est un raid sur Twitch ou pas? Tu vois ce que c'est un raid, Charlotte? Oui. Ah bon? Oui, 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 quand j'ai joué à World of Warcraft. Ah, dis pas ça, tu vas exciter ma communauté. Ça, t'as joué à World? Bah, vas-y, raconte. Bah, bien sûr que j'ai joué là-dessus, moi. J'ai adoré. D'ailleurs, je m'y suis remise. J'avais envie de recommencer. Ils vont tous venir te chercher. Le camembert est au four, je l'ai arrêté pour pas qu'il crame. Oui, 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 il est prêt. Ils sont juste là pour ça, ils veulent voir la gueule du camembert. Moi aussi, j'ai envie de voir. Je l'ai coupé, j'ai mis du bon miel des abeilles de cette année. C'est vrai que mon miel cette année, il est bon, hein, putain. Il était délicieux. On en a encore un peu. Et puis, du thym. Je pourrais mettre mon dernier pot. Et des noix. Mon dernier pot aux enchères. Bonne nuit à ceux qui partent. Oui, le feu de cheminée, on va bientôt l'avoir. Hein. Je vais ramener mon gros poêle à bois. J'ai demandé gentiment à Mordek pour le raid sur Fus. Ben merci Mordek et merci sur Fus. Oui, je chante, mais je chanterai pas ce soir. Je tiens à préciser aux gens qui me regardent depuis Twitch, on est en doublon en même temps sur YouTube. Là. C'est-à-dire qu'en fait, le live, il est à la fois sur YouTube, à la fois sur Twitch. Sur YouTube, on est 550. Non, on va pas le remettre au congélateur, Yann. De quoi, le camembert? Ouais. Truc horrible, putain. On va le manger après en regardant The Last of Us. Ah, je sens que je vais dégueuler d'avance, quoi. Alors, Méli Mélo, on va mettre en place ça. Je pense qu'on l'avait dit plus tôt dans le live. On va mettre en place la vente de miel et de farine de châtaigne d'ici l'automne. On fera ça. On créera un site et on vendra ça. Babine.be. Babine.be, exactement. Je sais plus qui avait donné, mais c'est parfait comme... Salut Alexis. Alex. Bonne nuit Titon 51 si j'ai bien lu. Mordek joue au jeu avec une batterie. Une batterie? Ah, avec une batterie, d'accord. Oui, une batterie boum tchak, boum boum tchak. Ok. C'est sa manette, quoi. Bonne nuit Nicolas. Bonne nuit Céleste et Charlotte. Oui. Bonne nuit. Tout le monde va se coucher là ou quoi? Oui. Oui, c'est vrai, Marielle, les vierges aiment bien chanter, oui. Danser, tout. Non, mais on va pas manger le camembert devant vous, hein. Tu vendras ta bière sur bibine.be. Ouais, sur bibine.be. Bibine.be. Plus des B, quoi. Bébé. Oui, on va faire... on va sûrement prévoir aussi ça, une bonne bière, hein. Avez-vous vu La Route avec Viggo Mortensen? Ça plaira, c'est bien sûr qu'on l'a vu, Kuro, c'est Kuro qui a dit ça. Excellent film, qui d'ailleurs, Last of Us a tout pompé. Évidemment qu'on l'a vu. Joshua, oui, on est croyant, oui. Mais vous allez tous dormir, ben on va croit au capitalisme et à aussi. Macron. Mais pourquoi tout le monde va se coucher là? Ben on va vous laisser alors là, tout le monde fait dodo. C'est clair. Et c'est une manière gentille de le dire, oui, et de couper votre arrêtez, live. Arrêtez, vous êtes chiant. Bonne on nuit. On en a marre de vous écouter. C'est qui a dit ça? Je sais pas, il y a tout le monde qui nous dit bonne nuit. Tout le monde va se coucher d'un coup là.
Bah, peut-être. Vous êtes tous vaccinés travaille. Ou quoi? Non, tout le monde travaille. Il y a un mec qui a appuyé ça. Sur bon, allez, qu'ils aillent au lit maintenant. Clique. C'est là que je t'ai connu sur tes vidéos où tu dors isolé du monde dans une maison en pierre dans les Cévennes en France. Lord Minos. Bah ouais, bah merci. J'espère que ça t'a plu. Bonne nuit, Shadow. Oula. Évidemment qu'on va faire une dédicace à la Normandie en mangeant le camembert, bien sûr. Il est prêt là ? Il est prêt, oui. Tu l'amènes ou qu'on regarde juste à quoi il ressemble ? Oh, il est beau, hein. C'est vrai ? Oh, c'est beau. Vas-y, c'est beau. Oh, c'est beau. On a 666 likes, c'est drôle. C'est un mauvais signe pour manger un camembert, ça. Non, moi je trouve que c'est bien. Oui, tout le monde va se coucher parce que tu joues de la guitare. Ouais, j'avoue. C'est quand un live Just Sleeping? C'est quoi ça? C'est quoi, oui, ça? C'est quoi comme live? C'est genre ça, tu joues c'est de la guitare? C'est toute la nuit? Vous vous donnez faim, j'espère que le pain... Là, attends, mais il faut quand même... Le titre du live, c'est camembert. Il faut quand même que les gens voient un camembert à un moment donné. Joue le morceau de Last of Us. Ah oui? Tiens, étonnamment, je sais le jouer, celui-là. Allez. Putain, c'est la première fois qu'on me demande le seul morceau que je sais jouer, quoi. Attends, va chercher le camembert sur Last of Us. Vas-y. Ça va être marrant. J'ai une mission, claqueur. Voilà, c'est pas accordé ça. Guitare Tuna. Et envoyez-moi la moula, Guitare Tuna. Alors c'est une... Continue, essaie gratuitement. Mais allez, arrêtez de me parler, putain. Allez, on monte le camembert. Ouh. Ouf, ouais. Donc voici le camembert. Camembert, on vous l'avait prévu. Il a l'air bon. Mais bon, j'ai quand même fait une petite salade à côté. Hein. Pouah ! Quand même. Où il y a les fantômes.
C'est là que j'ai découvert, lors de ton voyage avec ton âne, par la suite, j'ai trouvé le livre de Stevenson dans une boîte à livres. Cool, Mélie, Mélo, je crois que tu m'avais écrit très bon livre, Stevenson. Mais finalement, c'est mieux le messager que Stevenson. Ce qui maltraite son âne dans Stevenson. Modestine. J'ai lu un message. Le film dont on parle, Salvador, c'est The Last of Us, mais à la base, c'est un jeu vidéo. Merci Fripouille. C'est gentil. Qu'est-ce qu'il dit, Fripouille? Que je dégage une belle lumière. Oh bah Fripouille, attention! Jette un œil, mon Fripouille! Bonne chasse cette nuit, les gars. Viens par là, Fripouille! Tu vas repartir mal, mon copain! C'est le clash des gitans, tu vois, cette vidéo ou pas? Ouais, les gitans. Caveau de mon père et de ma mère! Bon, on va manger un camembert, les amis. C'était le titre de ce live, en attendant le camembert. Donc, le camembert est arrivé. Charlotte, merci d'avoir fait ce premier live avec moi. Merci à toi et merci à tous Vous avez pour vos été... dons et pour d'être là, tout simplement, d'avoir participé au live. C'était vraiment cool. Merci beaucoup. C'est vrai que vous avez été sympa de nous suivre un lundi soir. Ouais. Plus de... entre 500 et 600 personnes. Merci à ceux qui ont fait des raids sur Twitch. Oui, Twitch. Merci pour Merci vous. Merci au camembert. Merci, merci. Enfin, oui, on fait celui-là. Et mec, il fait dans le même sens, il n'y a plus de... Et en tout cas, merci pour les gens qui ont fait des dons. Alors, je vais remercier les donateurs, comme on dit. Oui. Ah oui, mais raid, c'est écrit là. Mork et Ouais. Drum. Et attends, mais putain, maintenant, il m'indique qui m'a fait des raids. C'est écrit là, en fait. Ok. Mordek Drum Ok, m'a trop envoyé bien. 30 viewers il y a 5 Merci, minutes. merci. Merci, Beaucoup. Morked. Raid, on a eu un autre raid de Joyce. Trop Le bien. Joyce. Merci, le Joyce. C'est nouveau, je me fais raid maintenant. Donc, on a eu en donation, nous avons JF JF. Aubessard, merci beaucoup. Merci. Bushcraft Nature. Nous avons Lino, Catherine Dur. Catherine Didelot. Oui, Catherine, voyageur vagabond. Adrien, hey. Onima. Et tous les autres qui se sont follow, Abonné. abonnés et juxtaposés. En tout cas, bonne soirée à vous. Je vous dis à très vite. On va publier une nouvelle vidéo très prochainement concernant Blablin. Oui, Blabline, ça va être trop bien. Et ben merci vraiment, ça m'a fait plaisir de faire un live. On va essayer d'en faire un peu plus souvent. C'est quand même cool les lives, hein. J'en fais pas assez, mais c'est quand même sympa. On en fera peut-être un cette semaine, la semaine, enfin dans la semaine quoi, on verra. Oui. Oui. Si on a un autre camembert à mettre au four. Ouais, exactement. Ciao, ciao les amis. On reste en contact Salut, tant qu'il y a du réseau. tant qu'il y a du camembert. Allez, je balance le générique de fin. Ciao. Salut. Et merci.